Parti. Comme tous les matins, on est reparti dans l'enfer. On ne s'arrête jamais. Oui, spoil, ok. Ah, attendez. Hop, alors on va monter ça, on va en profiter. Voilà, comme ça cache le truc. Faire Nintendo ou Xbox? Nintendo quand même. Faut pas déconner. Faut pas déconner, il y a des limites à l'absurdité quand même. Nanana. 15h, ok. 15h, ah bah ça va. Ah putain, c'est chiant, c'est en fin de stream en vrai. T'es le seul sur Twitch à diffuser Super Meat Boy? Enfin, en tout cas, ce que je vois. Ah oui, non, mais je suis le seul à chaque fois à diffuser Super Meat Boy, les mecs. Hein. Je prends le volant, bon live, à tout à l'heure. Vas-y, bisous, Jeannot. À toutes. Bon, et bah écoutez, comme d'hab, hein, trophée 1, enfin niveau 1 à 20. Et après, on part sur les runs. Hein. Hier, j'ai vite fait jouer. J'ai joué 20 minutes, mais ça m'a saoulé. Niteno! Niteno! Ouais, la 360, ouais, elle était vraiment bien. Hein. La 360, elle était vraiment bien. Après, bien meilleure que la PS3, c'est dur, mec. C'est quand même la PS3, hein. Mais j'ai vraiment un problème. Ah oui, putain, la vache. Eh oui, t'as vraiment un problème. Vraiment un problème? Imagine, t'aurais dû faire le live 24 heures. On en était loin. On en était loin. Salut, Neblesse. Oh, une bonne centaine de fois, thèse longue. Après, ça va, on est au matin. C'est le pire le soir. Aujourd'hui, c'est le jour du platine. Inch'Allah. Inch'Allah, les mecs. Je crois que RLDir n'est pas là. Du coup, pour le moment, on va pas mettre le j'doc. Oh, merde. Pourquoi la PS3, elle était affreuse? Il y avait quand même de putain de bonnes exclus dessus, hein. Mais non. Salut à Tolv. Taron, tu commenceras par quel niveau? Je sais pas. En vrai, ça dépend surtout du jour, hein. Des fois, il y a des niveaux que je réussis bien et tout. Moche manette de merde, live pourri. Live pourri, jeu multiplateforme moins performant. Manette, bon manette je pense que ça va, la manette elle est pas, elle était bien, moi de la PS3 j'aime bien. Moche, moche, bon tu parles à la Xbox 360, c'était, bon c'est pas non plus, ouais c'est vrai que la fat elle est pas belle. Hein. La fat je suis d'accord, elle est pas belle. La fat je suis d'accord, elle est vraiment pas belle. Putain. Aujourd'hui, je trouve la manette trop petite. Quand j'étais ado, ça allait. De la PS3? Ou des générations PlayStation? J'ai recommencé mes jeux depuis le début car elle avait des corruptions de fichiers sur reboot à chaque fois. Ah ouais? Oh, c'est bizarre ça. PS3, oui. Ah oui, bah oui. En vrai, ouais, les manettes sont petites de ouf, hein. T'avais pas dit que t'allais jamais le faire, Super Meat Boy? Si. Putain, mais j'arrive pas à ce saut, là. Oh là là. Me rend ouf. Faut vraiment du training sur ce jeu. C'est abusé, hein. Salut, Benjamin. Ça me rend ouf. D'ailleurs, on souffle du message de la play quand on éteint trop vite. Elle dit un truc? Quand on l'éteint trop vite? Enfin, putain. Quelle idée de mettre des musiques de Mario pour ça que t'y arrives pas. Ouais, mais objectivement, quand même, les musiques
des Mario sont mieux que celles des Astro. Astro, il y en a qu'une qui est vraiment incroyable, c'est la Astro Pat. Putain. Merci French Flower pour ton 26e mois d'abonnement. Merci mon gars, tu régales. Toujours là, que ce soit sur du Rocket, du multigaming, il est là, la fleur française. Une menace de corrompre nos dés. Ah ouais? Mais attends, mais tu la débranches avec le câble ou quoi, toi, ta console? Moi, fais pas ça, hein. Comment vous éteignez votre console? Avec la manette, vous savez? Ou directement sur la console? Avec la manette. Ouais, c'est bien ça. On est bien d'accord. Personne n'éteint. En plus, c'est devenu chiant d'éteindre. C'est devenu chiant d'éteindre la console avec la manette. Je trouve. Avec la console, pardon. Faut appuyer pendant 15 secondes et tout. Oh là là. Giga relou le truc. Ok. Faut être fou pour appuyer sur la console. Ouais, c'est chiant. Faut se déplacer, c'est relou. Bah ouais. Bah ouais, grave. Exactement. Ici, on est des porcs. On est des gamers. Ah putain, ça me rend ouf, ça. Avec le sort Consolus. Consolus Modifus. Il a acheté Hogwarts Legacy. Il y a pas longtemps. Ou alors, justement, il rêve de s'acheter Hogwarts Legacy, mais vas-y, il est trop cher. Merde. Consolus et Indus. Ah, ça m'énerve, ça. Bon, on fait une prédiction. Est-ce que c'est pour aujourd'hui? Sachant que j'arrête... je me force pas, hein. Je vais pas force... Enfin, je vais pas live jusqu'à 18h, quoi. Est-ce que c'est pour aujourd'hui, les mecs? Petite prédiction. En vrai, je pense pas. Nice, merci mon gars. Ce genre de truc, faut vraiment le garder pour soi, tu vois. Tu votes et tu te tais, quoi. À la limite. Vas-y, Rosen, des bisous. Bisous, Rosen. Si personne y croit. C'est que toi tu vas y croire. Moi les mecs, je crois plus en rien. Je préfère croire plus rien du tout. J'ai hâte que tu finisses ce jeu. Et moi donc. Et moi donc. Tu fais le stream vers quelle heure? Je sais pas, 15h je pense. Comme d'hab, hein. 3h de stream. The Heart of Crown. Sachant qu'aujourd'hui en plus je dois commencer à écrire à Super Meat Boy là. Mais non. Si t'es focus, tu peux le finir. Non mais je suis focus à chaque fois, hein. C'est vraiment pas un problème de focus, hein. C'est juste un problème de déprime, je pense. Déprime de mastu. Des cas d'ennon, désolé. Vous savez quoi? Osef. Vous avez peut-être raison. Moi, je crois en toi. Ah ouais? Ah, des fois, tu parles au chat et tout. Ah ouais, bah ouais, mais c'est mon... Ah, sans ça, moi, j'abandonne, hein. Impossible. Sans ça, j'abandonne, hein. On a toujours cru en toi. Ouais. Sauf sur PUBG hier, par contre. Ouais. C'est bizarre, ça. Y a pas grand monde qui croyait en moi. Merde, je suis con. Faut pas sauter ici. Mais quel bouffon. J'ai mis oui. We do believe, we do believe, we do believe, we do believe. Ah non, trop tôt.
c'était quoi là? C'était quoi le problème? Ok. Quand tu auras réussi, tu termineras la manette. Ah bah non. Ah bah ce serait con que si je réussisse, je casse la manette. Non mais de toute façon, elle est morte la manette, hein, l'autre là. Hein. Non mais PUBG, c'était d'une catastrophe hier. Après, ça m'a vraiment conforté avec l'idée que ce jeu est vraiment nul. Est vraiment sincèrement nul. Ok. Putain, et Psycho qui s'est fait ban life, les mecs. Vous avez des nouvelles de Psycho qui s'est fait ban life? Est-ce qu'il a fait une demande d'unban? Du mal à kiffer sur... Ah bah ouais, mec, tu m'étonnes. Le pauvre. Ah mais il a été sacrément con aussi. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah hier, je me suis fait tuer par un gars sur PUBG. Et en fait, moi, pour rigoler, je suis allé sur sa chaîne, j'ai vu, mais c'est qui celui-là? Putain, il cheat. Et en fait, Psycho, il est parti se plaindre sur son chat. Ah, ça se fait pas de le tuer, nanani, nanana. Horreur. L'horreur. Ça me rappelle ma communauté Rocket League et là, je... Waouh. Mais je pense qu'on peut l'unban. Je pense qu'il a compris. Je pense qu'il a compris, on peut l'unban. De toute façon, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Unban ou ban? Ou il reste ban? Sachant qu'il a pas dit des dingueries, il lui a pas dit nique ta mère. Il lui a dit, oh, pas cool de le tuer. Ça se fait vraiment pas. Voilà. Merde. Merde. Je laisse un modérateur faire le sondage, les mecs. Ah. Bah, il est unban, mais... Si, j'ai rejoué 20 minutes, vite fait, de mon côté, Valzer. Mais... C'est la déprime, ce jeu-là. Hein. Let's go le retour. Rebonjour. Oh putain, il était sur le live en plus. Eh ben alors, Psycho. Bah alors, c'est quoi ça? On va voir le chat des autres. J'ai fait une solide défense, j'ai fait une demande, mais Twitch ne veut pas faire ma demande. C'était quoi ton message d'excuse? Enfin, excuse, en vrai, c'est plutôt à moi et à lui, mais enfin, plutôt à lui qu'à moi, mais. Si sa défense, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère qui avait le compte Twitch. Ça va mal aller, hein. Vas-y, c'était quoi ta défense? Ah merde. Merde. Il va reprendre son ban. Ta petite sœur. Ah bah ça va, c'est la petite sœur alors. Merde, je suis con moi. Merde. Oh ouais, la vache. Il est long et tout. Bah, poste l'heure de partie. Oh mais putain, quelle horreur. Ah, c'est bon. Attendez, s'il vous plaît. Ok, ok, on attend. Pouet. Putain, il est long à ce point, mec. Il va prendre 8 pages, le machin de Twitch, là. Ouais, Astrid, t'as le platine cette semaine. J'espère quand même, hein. Merci Nitronoom pour ton Twitch Prime, merci mon gars. Attendez, je vais essayer un truc.
Ah merde. Et les bouffons là. Est-ce que ça, elle est bien cette technique? Oh, elle est moyenne, hein. Allez, viens là, venez là. Je vais vous éjecter. Pour de bon. Voilà. Oh non! Pour moi, c'était du second degré, mais l'écrit plus une personne que je... Que l'on connaît pas, c'est difficile de le discerner malgré mon ban. Ah ouais, non mais c'est du second degré, mais le streamer le prend pas comme du second degré, c'est pas moi qui ai été impacté. Je continue à être présent car j'aime ta personne et ton contenu, j'espère que tu continueras... Ouais, dans ce métier, j'admire ton contenu, j'espère que tu continueras cette voie-là. Et c'est bravo à ton équipe pour ce qu'il nous propose. Je suis allé m'excuser auprès du streamer aussi car ça me tenait à cœur. Bonne continuation à toi, et si tu me débannes pas, au revoir, j'espère que tu auras plus super une boy. Oh, ça va! Ça va! Elle est pas bonne. L'excuse est pas mal, tu t'es excusé, t'as fait tout parfait, t'as fait tout parfait. Tu m'as un peu sucé la top, t'as été excusé au streamer. Ça va, c'était parfait, nickel. Putain, non. Bonjour, je sors de français. Ah ouais, bah ça se voit pas, hein. Ça se voit pas, vu les fautes. Merde. Ta meilleure mine, ouais, Nitronoom. Tu veux dire physiquement, c'est ça? Et pourtant, mentalement, j'ai pas meilleure mine. Hein. J'ai bien pire mine, là. Franchement, le Psycho, il a ajouté 10 subs. Franchement, il a ajouté 10 subs à son message. Tu sais quoi? C'est moi qui me bannissais de ma propre chaîne. Je bannissais à un autre gars, tu vois. Je bannissais Google Eyes, par pur hasard. Bannissez Google Eyes à sa place. En plus de plaisir à platiner Super Meat Boy, Crash 4. Pendant longtemps c'était Super Meat Boy quand même, mais là j'avoue que depuis le chapitre 5 d'Arc, là franchement Crash 4 limite me manque. Putain! Mais oui Solor. D'ailleurs, Oli, il y a eu une commande à 50 balles cette nuit, merci infiniment. Bah, Psycho est de retour. Ouais, il a fait un très beau message d'unban. C'était convaincant. C'était convaincant. Salut Golden! Oh quoi? Je meurs là-dessus. Okay. Tu t'amuses bien, non? Le platine de Super Meat Boy pour gagner 5000 balles. Vas-y. Allez, vas-y, Gaspo. Bah alors là, avec plaisir, on te regarde. Un live Super Meat Boy? Oh, pitié, fais un sub goal, je live Super Meat Boy pendant 10 heures. Oh, pitié, je finance de ma propre poche. Pitié, Gaspo. Tu fais, je sais pas, 325 subs? Je vais militer, je vais militer, je vais dire à tout le monde, arrêtez de vous sub chez moi. 10 heures, ouais, ouais, ouais. Bah ouais, tu vas pas faire un stream de 2 heures, tu vas rien découvrir, tout va être simple. Et 10 heures, en vrai, tu fais rien sur Super Meat Boy, hein. Putain, sérieux? J'arrive pas à faire ce niveau-là? Putain, hier les mecs, j'ai regardé sur internet des extraits de La Soupe aux Choux, un film que je regardais quand j'étais petit et que je kiffais. Ben franchement, c'est banger. Voilà, j'avais peur que le film passe mal. La Soupe aux Choux, c'est banger, putain. Bon, juste le costume de l'alien, il est vraiment cheap. Plus cheap que ce que je pensais. Donne ton prix. C'est quoi le prix, Gaspo? What's your price? 350 subs. Ah, mais il arrive pas à aller aux 300 subs. Putain, 350, c'est énorme en vrai. Est-ce que pour 500 subs, tu le platines? Jamais de la vie fait ça. Le retour sur investissement est vraiment très mauvais. Le mec va devoir abandonner toute forme de vie pendant un mois pour 500 balles. Vas-y, j'en ai marre.
Un ce bâton Super Meat Boy. Le Gloud. Le Gloud. Oh le Gloud. Sans sub, c'est beaucoup plus que 500 euros. Bah après impôt, les mecs. Après impôt, c'est rien. Hein. 500 subs, c'est quoi? C'est 700 euros, 800 euros après impôt? Ah non, t'es en 60-40, toi. Ah ouais, mais toi, tu mets les pubs, toi. Toi, t'es un richou, toi. Tu mets les pubs, toi, t'es une sale race. T'es une sale race, toi, Gaspo, c'est vrai. J'oublie Yam. Eh oui. Les Narcoy. Je suis juste pauvre. Je suis juste pauvre. Regardez-le. On va pleurer. Pleurons ensemble de la patrie. Bah ouais. Si t'arrêtais de jouer à Dofus et que tu faisais du contenu. Hmm, des vidéos YouTube. Au lieu de jouer à Dofus. Ça va pas t'amener très loin Dofus, hein, Gaspo. Hein. Eh oui. Eh oui. Et si tu lisais les briefs des marques, peut-être qu'ils auront envie de re-signer avec toi. Oh, vous pensez que de Allscan, les mecs, c'est... Allscan, c'est de la merde, hein. Allscan, c'est de la merde, les mecs, parce que, bon, alors peut-être tu sponsors par eux, mais c'est pas du bois... c'est du bois qu'on coupe des arbres, quand même. C'est pas fou, moi, je trouve. Il a dit ça, Gaspo, sur sa promo. En gros, Gaspo, il a la même promo que moi sur Twitch. Il a Allscan. Et à un moment, Gaspo, il dit... mais attends, je viens d'avoir une... Je viens d'avoir un... Une illumination. Mais Allscan, c'est de la merde. C'est pas du bois... on coupe des arbres pour Allscan. Ouais. Bon, et bah j'arrête le partenariat. Je crois que les entreprises vont regarder une seconde mon stream. Bah non, mais imagine. Ça donne moins envie, tu vois. Surtout que si t'as une chance sur 50 qu'il y ait par hasard un gars qui soit là, je peux te dire que par contre t'es blacklist. Hein. C'est comme si tu te disais à une marque de... Ah, Oli, genre, tu dis Oli. Bon, les mecs, prenez du coca, c'est mieux parce qu'en vrai, le sucre, c'est quand même pas mal. Le sucre, c'est pas mal en vrai. T'imagines? Prenez coca plutôt. Non, c'est bien mieux. C'est dinguerie. Mon avis, il vérifie quand même. Non, 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 y a aucune chance qu'il vérifie. Non, non, aucune chance qu'il vérifie en vrai. Peut-être les gros streamers, quand ils lâchent des 50 000 balles pour la soirée, bon, peut-être que 50 000 balles la soirée, il y a quelqu'un qui est mis dessus, tu vois. C'est Docteur Nos. Chaud, 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 on y croit. J'ai plus envie de rien dire, les mecs. J'y crois pas, je sais pas. J'en sais rien. Bon, bah voilà. Pour rentrer chez moi, Dawson, je fais 2 heures pour le platine. Ah, ok, ça marche, Braxus, je fais ça. J'essaye, hein, de tout mon cœur. La flemme d'aller au taf, The Bee. Bah, je croyais que t'embauchais à 7 h. C'est quand la fin sur ce jeu? Je sais pas. Je sais pas. Quand j'aurai fini ce putain de dernier trophée, les mecs. Je suis déprimé, hein, de ce jeu. Hein. Je viens de recevoir ma commande au lit, let's go! Putain, mais sérieux! Par contre, je vais arrêter de mourir au niveau 20, ça va me rendre ouf, là. Je vais très vite arrêter de mourir au niveau 20, je vous le dis. Pire que Crash 4, mais ça n'a rien à voir, les mecs. On compare pas l'incomparable, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Juste pour le bien de tous, s'il vous plaît. T'aurais dû faire Splasher. Je pense que je pense très sincèrement, même si Splasher est excessivement dur, je pense que Splasher aurait été plus agréable et mieux, parce qu'en fait, Splasher, tu dois terminer le jeu plein de fois, mais avec des conditions différentes. Du coup, ça veut dire que les niveaux, tu les connais. En plus, les speedruns, en plus, tu speedrun les niveaux. C'est-à-dire qu'un truc compliqué, c'est que tu speedrun les niveaux. Et ils sont ultra durs, les speedruns. Mais en fait, ça te sert pour les autres speedruns. Alors que là, ce jeu, tu practices 20 niveaux. Tu practices 20 niveaux. Donc, tu t'entraînes sur 20 niveaux. Et après, ces 20 niveaux sur lesquels tu t'entraînais pendant des heures, des dizaines d'heures, tu les vois plus. Ils sont plus là. C'est ciao, comme dirait la Squeeze. Est-ce que c'est bon pour vous? C'est ciao. Aujourd'hui, on va vous raconter une histoire d'horreur. Et ça, c'est trop pénible.
Tu dois réapprendre plein de... Tout le temps, tu dois tout réapprendre. C'est pour ça que je pense que moi, le platine de Crash... de... Putain d'Akras, putain. Je suis à 120 heures sur Super Meat Boy. Et Tower Infinite. Et surtout, je pense que Splasher n'a pas de bug, alors que ce jeu est vraiment buggé du cul. Hein. C'est le jeu où t'as mis le plus d'heures pour le platine? Non, parce qu'il y a GTA 5, après GTA 5 c'est différent, c'est parce que je faisais aussi le 100%. Et il y a Dark Souls 3 aussi. Dark Souls 3 j'ai mis 170 heures. Hein. Dark Souls 3 j'ai... imbuvable Dark Souls 3. Hein. Dark Souls 3, ouais vraiment c'est... le farm de serment là? Le, ouais, c'est ça. Oh là là. C'est imbuvable. Ça me tarde la vidéo GTA 5, ouais. Même moi, mais faut que je l'écrive, ça va me prendre tellement de temps d'écrire la vidéo GTA 5. Je l'écris sur Hero. Bah, je vais me faire ban au bout. À l'intro, je vais me faire ban. Ah putain, les mecs, j'en ai tellement marre. Tu vas tenter un essai, mais c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, les mecs. C'est ce que je fais, hein. Croyez quoi? J'en ai marre. Pourquoi tu prends autant de temps pour sortir la vidéo GTA 5? Parce que. Stardew Valley, j'ai grave envie de me le faire un jour. Attention la team, je prédis que c'est la bonne celle-là. Ouais, merci Gaspard. Putain, franchement merci mon gars. Tu régales. Hein. Moment où j'ai lu ton message, bim, mort. Voilà, tu vois. Direct. Mais les mecs, il l'a prédit quand même, il l'a prédit. La même prédiction que Kassé World Champion. Hein. Ah, tu viens de l'acheter, tu vas pas y jouer maintenant? Bizarre, moi, comme procédé. Je suis con, moi. Je fais le niveau à l'envers, hein. N'importe quoi. Merde, mais putain. C'est le level abyss, ça. D'ailleurs, le prochain World Champion, je prédis que c'est Steezy. Fait... oui, bah bien sûr. Bah oui, carrément. Moi, je pensais que ça allait être Eugene. Parce que quand même Razmeltor l'a mis dans la team cassée. Donc je pense que c'est Eugene. Avec Imagination et Knof. Imagination, en vrai, il a une bonne vision de jeu. Le Smart Chase, je pense, ça va révolutionner le gaming. Même sur League of Legends, ils vont être là. Have you seen the Smart Chase of Imagination? Non mais vraiment. Vraiment. Pour moi, le plus gros coup de la scène RL, et pourtant il y a Life is Cool, hein. Life is Cool existe, hein. Mais le plus gros coup de la scène RL pour faire parler, c'est Razmeltor qui a mis Eugene dans Cassé. Pour moi, il n'y a pas plus, non, je mens, je le mets juste là. Ou alors, c'est qu'il y connaît vraiment rien. J'espère vraiment pour lui, très sincèrement pour lui. Que... qu'il a fait ça pour les stats. Hein. Non mais Eugene, c'est une folie de dire Eugene cassé quoi. Chant pour moi, c'est pour les stats. Hein. Razmeltor, quand je le verrai, je lui dirai, bon, attends, Razmeltor, on se pose là. C'était quoi ton coup sur Eugene là? Eugene cassé, mec, c'est quoi ça? C'est
Pour les stats, j'espère. Ou alors, tu t'y connais pas. Je sais pas, tu fais des analyses de replay, quoi. Raz, enfin. Crypt, il existe en CD sur Switch, ouais. Conseil de Platine The Walking Dead. Bah, est-ce que t'aimes le jeu? Oui, non, bah voilà, tu le fais. Pour Pim. Tu vas faire ban de son Twitch, non, non. Non, je l'aime bien, mais... Mais il est déjà annoncé. Oui, mais avant qu'il soit annoncé, Dr. Nos, Razmeltor avait mis Eugene Cassé à la place de Rise. Mais la folie, mec. La folie furieuse. La folie furieuse, en vrai. T'inquiète, t'inquiète, Dr. Nos. Oh là là, j'en ai marre de ce niveau, j'en ai tellement marre. J'en ai trop... Franchement, le quatuor là, j'en peux plus. J'ai pas réussi une seule fois à le dépasser hier, je n'y arrive pas les mecs. Les niveaux sont horribles là, non, j'en peux plus là. Les 4 niveaux que je fais, les mecs, ils sont horribles. Enfin, les 5 niveaux que je fais là, ils sont horribles. Ils me donnent vraiment envie de me tirer une balle, je vous jure. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Je n'ai sincèrement jamais vu ça de toute ma vie dans le jeu vidéo. Ces 5 niveaux sont les 5 niveaux les plus horribles du jeu vidéo que j'ai jamais vu. J'en peux plus. 19, je suis galère. Ouais. J'en peux plus. Franchement, j'en peux plus. Le 1, 8, 9, 19, 20. Ah, le 20, à la limite, ça va, mais... Quoique, le 20 est... Il est aussi infâme. Hein. 19, t'y arrives mieux. C'est infâme, mec. J'y arrive mieux dans le sens où avant, je mourais une fois sur une. Maintenant, je meurs une fois sur cinq. Enfin, je meurs... Je réussis qu'une fois sur cinq, tu vois. Épuisé de ce platine. Je suis épuisé. T'allais dire que le premier après-midi, j'avais fait 11 sur 20, quasiment deux fois d'affilée, je crois. Genre... Et j'étais là, oh bah ça va être simple. Mon PB, c'était le premier training. Ah, 10 sur 10 la difficulté. Ouais, mais ça n'a aucun sens parce que Crash 4 aussi a une difficulté de 10 sur 10, mais c'est. Ça n'a aucun sens, genre. Franchement, sincèrement, si Crash 4 a 10, je pense que Sharpie il a raison, on peut facilement mettre Super Meat Boy à 14-15. Vraiment. Seriously. C'est ce que tu fais après le jeu comme Spirit Boy. Des vacances. Une pause. Une pause des platines. T'inquiète, t'inquiète, à relire. Allez, le niveau 19, hein. Évidemment, on y croit tous que je vais le one-shot. Ok. Non. Putain, j'ai chié dans la colle là. Attendez. Ok. Allez. Allez, pitié que je sors des difficiles, mec. Pitié que je sors des difficiles. Allez. Oh non, je meurs sur le pro, merci mec, c'est horrible. Ah ouais, ça te déconcentre d'attendre comme ça.
Le niveau 20, il m'achève aussi, les mecs. Le niveau 20, il m'achève de ouf. Je vous jure qu'à chaque fois que je réussis le quatuor, il y a toujours ce salaud de niveau 20 là qui me termine à chaque fois. Je vais arrêter d'attendre les 6, ça me déconcentre, ça me... Je suis plus focus après. Faut que j'arrête d'attendre les 6. Oh là là, j'en ai tellement marre. Allez vous faire foutre les développeurs, sérieux. Hein. Non mais putain. Mais... que le jeu a une approche plus simple à la manette qu'à la souris. Je sais pas, jamais essayé clavier souris. Je pense que putain, je pense que clavier souris doit être plus simple quand même. Si t'as un bon clavier, je pense qu'il doit être plus simple. Et que j'en peux plus. Allez, putain de fils de pute de personnage là. Rends ouf mec. Eh ouais. R contrôle, clavier souris m'a fait vriller. Ah ouais. Bon tu sais, manette aussi, hein, il rend malade. Hein. Eh ouais, ta grand-mère. Mais putain. Allez, putain, j'en ai marre de ce putain de personnage qui veut pas glisser et qui d'un coup d'un seul glisse de ouf là. Vas-y, ça me saoule en vrai. J'en ai trop marre. Regardez le niveau 20. Je n'y arrive même pas et je suis censé le faire après les 4 niveaux ultra difficiles, genre. C'est impossible. Putain, j'ai eu un freeze à cause de la musique. C'est où l'accélération matérielle sur Spotify, les mecs, si quelqu'un sait? En haut à gauche, ouais. Un menu affiché. Ok, sur accélération matérielle. J'ai pas ça. Moi j'ai que zoom avant, zoom arrière, initialisé. J'ai pas ça. Trois petits points, edit, préférence, edit. Edit. Trois petits points. Et vous parlez de quel petit point? Attendez, mais le mec, on n'a pas le même jeu là. Enfin, on n'a pas le même Spotify, regardez. Aide puis résolution des problèmes. Ah, voilà. Ok. Les zoomés, on voit pas. Ah merde. Ok. Ok, c'est bon. C'est bon. Désactiver.
aller. Et voilà, on commence. Et regardez, regardez ce jeu de fils de pute buggé là. Putain. Les petits globules rouges, quand tu meurs une fois, il y a un bug et du coup ils se mettent ultra close. Ah ça, ça me rend ouf aussi mec, vraiment ça, ça me saoule. T'as jamais les vrais, les mêmes essais genre. C'est jamais le, les mêmes essais dans, dans ce jeu, ça me rend ouf. Bon, je comprends que t'en aies marre, j'en peux plus. Hein. C'est même plus en avoir marre là, on est à un stade au-dessus. Hein. C'est vraiment tellement plus de stades au-dessus qu'en avoir marre. J'en avais marre il y a 70 heures quoi. On va relancer le jeu, ouais c'est vrai. Sachant que Gaspo, par exemple, savoir un truc, même pour ceux qui sont, qui étaient pas là quand je l'avais raconté, savoir que ce jeu, au bout d'une heure de jeu, les niveaux changent, certains niveaux changent. Les niveaux changent. C'est-à-dire que les trucs vont plus vite, les timings sont modifiés et tout. Ok. Allez, niveau 19. Est-ce que je peux y arriver le niveau 19, les mecs? Est-ce que je peux y arriver? Can I do it? C'est quoi le niveau 19? Je vais le garder pour la toute fin. Comme ça, j'ai des vrais tries. Des vrais putains de tries, mec. Ouais, salut. Salut, Skyzouz. Ouais. Je trouve 19 moins pire que celui-là. Non, non. C'est que t'as pas testé le jeu. Le 19, il est bien plus pire. Hein. Ça n'a rien à voir, c'est le niveau le plus dur de... Les petits sauts à la fin là, Gaspo. En fait, c'est des... pixels parfaits, mais quand je dis pixels, c'est vraiment... frame... putain de parfaite! Pourquoi je ralentis? C'est les sauts à la toute fin, du 19. Sinon, le reste du niveau est simple, hein. Le 19, il est simple. C'est les 5-6 petits sauts là. Non, le 19, attends, je réussis celui-là. Non, je réussis pas. Putain, ça me rend ouf. Tout le niveau est simple, hein. Tout ça, c'est simple, hein. C'est juste les sauts à la fin. Là, faut vraiment voir tester ce niveau pour comprendre à quel point il est difficile. Mais putain. Si, Psycho, il était ban hier, mais il est revenu, ça y est. Larve blanche, pas des larves, c'est du coton. Ouais, pourtant, ça paraît pas dur. C'est excessivement dur. Putain. Comme j'ai dit les mecs, je finirai par le niveau 19, il me déprime trop ce niveau, il me déprime trop, j'en ai trop marre. Le 20 aussi, il me déprime, tout me déprime, j'en ai trop marre de ce jeu, j'en ai marre. Et aller doucement, moi c'est moins bien, putain, oui, putain j'arrête, pas assez... Tu peux pas aller doucement parce qu'il y a le mur qui te rattrape derrière, il se referme. Mais... Je
J'ai même pas pu voir le sondage. Mais il n'y a pas eu de sondage, Psycho. Il n'y a pas eu de sondage. Bon, les mecs, comme j'ai dit, le 19, je le garde pour la fin. En fait, il me... j'en ai trop marre, genre. Vraiment, au premier degré, j'en ai marre. Merde. Là, j'ai envie de faire d'autres niveaux, quoi. Même le 20, franchement, je pense que je vais le garder le 19 et 20 pour la toute fin, genre, en tant que dernier niveau. Je sais que ça paraît con, en vrai, mais... C'est horrible de faire le 19 en full stress. Je pense pas, parce que en vrai, le 19 reste dur, et ça me fera pas stresser de faire... Tu sais, c'est comme si t'affrontais... Je sais pas... C'est redémarre 19... Ouais, ouais. Moi, je pense pas... je pense... Enfin... En fait, le 19 est dur, mais il est pas... Ce que je veux dire, c'est qu'il va pas te, il va pas te faire choke à cause du stress. Alors qu'il y a plein de niveaux qui sont ultra simples, mais qui vont te faire grave du choke, qui vont te faire grave choke à cause du stress. Non, putain. Ah, en vrai, je savais que je sais pas si je sais pas comment je vais y arriver. Hein. Je vois pas un monde où j'y arrive. Je vous jure, je vois pas un monde où j'y arrive. Ça, c'est tellement... Ils sont tellement infaisables, les niveaux. Après, si là, déjà, je fais 1, 8, 9, peut-être que je vais déjà enfin pouvoir faire un peu plus de niveaux. Mais même ça, ça me paraît infaisable, mais bon. Je pense, même si t'enlèves le 19 et le 20, ça me prendrait tellement de temps. Optimiste des 7, putain. Mais ça fait 17 heures, je suis sur... Comment ça, Optimiste des 7, putain? T'as envoyé un message il y a 10 minutes, les gars, faut faire quoi pour avoir le dernier trophée? Tu sais même pas de quoi on parle. Je t'aime bien, hein, mais tu sais même pas de quoi on parle, Airlink. Tu sais même pas ce qu'il faut faire, tu sais même pas ce que je fais. Oh non, si je finis cette semaine, c'est très bien, Gaspo. Hein. T'as, et dire, les mecs, vraiment, hein, au début, je pensais que ça allait être le monde le plus simple. Allez, si je réussis le 1, au moins on peut enfin faire d'autres niveaux, quoi. Ok, désolé, c'est vrai, j'abuse, putain. T'as tellement l'air d'être un gamin. Tu sens tellement l'enfant. Ok. Bon, maintenant, imaginons. Je pense que les trois quarts des gens, ici, D7 compris, vont faire une overdose. D7 compris en mode, ouais, moi, c'est pas tant que ça. Moi, ça aurait pu passer, en vrai. Moi, ça va. C'est surtout vous, les viewers, hein, la difficulté. Bah ouais, je comprends. Ok.
Ce niveau aussi, je le déteste. Vraiment, putain, je le déteste ce niveau. Ah ouais, bah ouais, putain, je déteste ce niveau. Non, je vais le faire dans les premiers, il me rend fou ce niveau. Je vous jure, il me rend malade. C'est tellement pas le plus simple en vrai. Après, ce niveau, en vrai, je devrais vraiment... C'est juste que je perds patience. Alors que si je suis en full stress, et que je prends tellement mon temps... Bah Nicar, il a une réaction, mais pas tant que ça, alors que le mec, il y a joué 250 heures, quoi. Nicar, il a une réaction, genre, il est vraiment content, tu vois, mais on dirait pas tant que ça. On dirait qu'il est pas si heureux. Enfin, genre, pas si heureux. Genre, il est content, ça se voit, mais bon... Tu sais, c'est genre, il vient d'apprendre qu'il vient gagner 50 balles, quoi. Alors que le mec, il a deux fois plus d'heures de jeu que moi. Par contre, il y a des gars, je vous le dis, hein. Il y a des gars, je vous le dis, les mecs, sur YouTube, j'y crois zéro. Sur YouTube, j'y crois zéro. Je vois des gros platines en 60-70 heures sur des YouTubeurs à 2-3 000 abonnés en anglais. J'y crois zéro. Hein. Et j'y crois vraiment zéro, les mecs, vraiment. J'y crois vraiment zéro. Pour moi, ils ont cheaté avec la version Vita. J'ai eu un freeze. Ça a pas changé, hein. L'accélération matérielle, ça a pas changé le freeze. Peut-être que c'est un nouveau compte et qu'ils connaissent le jeu. Non, je pense pas. Dans les vidéos, ils en parlent pas, donc... Toi, t'as ton petit chinois. Ouais, mais même mon petit chinois, il a abandonné, là. Même mon petit chinois, il a abandonné à côté de moi, là. Il en peut plus. Je viens pas de ta play, non. Oh putain! J'ai envie d'arrêter le live, les mecs. J'ai envie d'arrêter. Je veux plus y jouer, putain. Tellement plus y jouer. Il y a un cheat avec la version Vita, ouais. Mais on ne force pas, ouais, mais c'est vraiment mettre 120 heures dans le vent, quoi. Pour combien tu le replates? Ah, jamais. Oh là, allez vous faire foutre, hein. Putain. Il faudra bientôt les installer, mais non, je vais pas bientôt les installer. Il n'y a pas de bientôt, là, dans mon imaginaire à moi. Je suis tellement loin. Je n'ai même pas eu un bon try en 17 heures. Un try, en sachant qu'un try, t'en as 50, un bon try, et tu peux ne pas y arriver. C'est ça qui est fou. Ou bien. Pessimiste. Mais c'est pas pessimiste, les mecs, je vous jure, c'est pas pessimiste. Non, c'est pas pessimiste. Là, il est différent ce chapitre. Hein. Ce chapitre est différent. Bien sûr, bah oui. Voilà, ça j'adore avec ce jeu, ça. Ça c'est ce que moi j'aime par-dessus tout avec ce jeu. Putain. D'accord, ok. Nice. Voilà, le random des niveaux. C'est ce que j'adore.
Platine quoi après lui? Les vacances. Mentalité Kaizen, mais Kaizen je l'emmerde. Bah voilà, 45 minutes c'est good alors. 45 minutes it's not enough. Mais il va pas falloir que je tarde à redémarrer. Vas-y Narquois, bisous. Bon courage. Et allez, go mourir. Jusqu'à quelle heure? 15h. Je stream pas plus que 15h, je vous le dis. Nice, bah voilà. Je sais pas, j'aurais bien pris une pause quand même. Hein. Au bout d'un moment, j'en ai marre là. Jouer toute la journée. Ah, j'y arrive quand même à ce niveau. Hein. J'y arrive quand même à ce niveau de con. Hein. C'est pas déconnant hein, si. Allez, putain. Eh ouais, mais putain de niveau de merde. Allez! Oh, qu'est-ce que je déteste ça! Putain, le perso qui glisse mais qui s'arrête d'un coup d'un seul. T'as pas de stick drift? Non, les nouvelles, c'est une neuve. Non, non, mais c'est les contrôles du personnage, hein, ils sont comme ça, ils sont horribles. Hein. Le PIBG se l'est bien changé d'idée pendant 20 ans. Ouais, c'est ça. Vous trouvez pas que j'étais comme pas normal car je viens d'apprendre que ma soeur allait sur Twitch avec mon compte? Bah non. Salut Tom Sky. Non, non, ça va. Putain, je suis con! Oh, bouffon. Comment ça se passe ce dernier monde? Mal, mal, mal. Ça se passe toujours mal, les mecs. Toujours mal.
Oula, j'ai eu chaud moi. Bon, le 5, je le fais pas maintenant. Hein. Tant pis. En Twitch, je suis obligé de mettre des musiques no copyright. Non. Non, non. Non, parce que j'ai du multipiste. Sur la VOD, on n'entend pas. Nice. Quelle déprime ce niveau, quelle déprime. Je vous promets, quelle déprime. Non, c'est des runs là, ce que je fais. Je vais tout faire sans mourir, ouais. Mais... con mon personnage, hein. Tu penses pas au jeu des fois? Non. Non. Alors, s'il y a bien un moment où j'ai envie de déconnecter de ce jeu, c'est quand je dors, tu vois. N'importe quoi. Vraiment n'importe quoi. Ce saut là, qu'il a niqué sa grand-mère, la chienne, vraiment. Il me saoule tellement ce saut là. Comment je meurs là? Avec la même pression à chaque fois, putain. Oh, je vais tellement y arriver, jamais y arriver. Je vois pas un monde où j'y arrive, je vois pas un monde où j'y arrive. Eh ouais, mais putain! T'as une deadline pour le réussir? Oui et non. Oui, parce qu'il y a une vidéo de prévue. Non, parce qu'en soi, je peux la report. Mais oui, parce que j'ai pas envie de me coltiner ce jeu pendant encore très longtemps, tu vois. Merde, mais je suis con, moi. T'as déjà joué toi Giro? En fait c'est un 99% de l'objectif qui paraît être un... qui paraît être à genre encore 99%. J'ai l'impression d'avoir fait seulement 1% du jeu, tu vois, tellement c'est difficile là. J'ai l'impression qu'il va falloir que je mette encore une centaine d'heures pour y arriver, tu vois.
Trop tôt. Déjà joué, mais jamais eu la force terminée. Ouais, bah, normal. Normal, normal. Je pense que ce que je vais faire, c'est ma nouvelle strat, c'est de 8 à 20, puis de 1 à 8. Lance le jeu. Putain, c'est bien. Bien vu. Déjà, on a des platines. Oui, parce qu'ils étaient chiants. Mais. Oh là 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 là. Quel jeu de fils de pute. Putain, je touche pas le truc. Hein. Fatigué en plus. Enfin, ce jeu me fatigue, genre vraiment au premier degré. Il arrive à m'épuiser ce jeu. De mieux en mieux le 8, ouais. Ouais, c'est cool. En première fois, du coup, je commande des pots au lit. Et honnêtement, une cure pour 500 000, c'est trop, c'est archi sucré. Ça dépend des goûts, je pense. Ça dépend des goûts, aussi. Mais il n'y a pas de sucre, Solor, donc... C'est bizarre de dire archi sucré. Tu vois, c'est bizarre parce que ma copine, elle me dit qu'on sent pas. Tu vois, ma copine qui est addict au coca, quand je lui ai fait goûter Oli Energy, elle m'a dit putain, mais je sens aucun sucre, tu vois. Ça me rend ouf. Et toi, tu sens trop le sucre. C'est vraiment. C'est fou en vrai. Sucré dans la sensation, ouais. Sensation de sucre incroyable. Ouais, bah ouais, hein, c'est ça. Hein. Quoi? Non, mais. Ce niveau, voilà, ça va être mon Nemesis aujourd'hui, alors qu'il est ultra simple. Va comprendre, va comprendre, va comprendre, va comprendre, va comprendre, va putain de comprendre, mec. Mais, qu'est-ce que. Oh non, vraiment, j'ai pas envie. J'ai envie de. Oh, j'ai pas envie de jouer, je vous jure, j'ai pas envie de jouer, les mecs. J'ai pas envie de jouer. Moi, ouais, la vie de ta copine est biaisée par... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est vrai, faut que je restarte le jeu. Je suis tellement épuisé. Mais...
Tête de blasé, les gens. J'en ai tellement marre. J'en ai tellement marre. Je ne peux plus. Allez, mais réunissez-vous, putain, bande de bouffons là. Focus 19, ouais. Ouais. En plus, j'y arrive bien le niveau 19 maintenant. Hein. Je m'en sors. Hein. Quand même un petit peu d'espoir. Hein. Il y a. Est-ce que c'est que des coups de chance depuis tout à l'heure? Je sais pas, mais. Ouais, c'est sûr, putain. Je redémarre le jeu. Regardez-moi ce nombre d'heures là. Je sais pas si vous voyez. Oh, je peux plus. Ça boum. Ah là, j'ai envie de boum, oui. J'ai envie de boum. Oh là là, mais non. Forest. Combien d'heures? 126. 126, j'en peux plus. 126 en... depuis le 9 septembre. Donc depuis 1 mois et 8 jours. Donc depuis 39 jours. Ou 38, je sais plus. Ça fait combien d'heures par jour? Vous savez? 3,5? Ok. Putain, c'est quoi cette musique à la con là? Par pitié, la musique là. C'est une musique Terraria, bah putain, une raison pour plus de ne jamais y toucher. Si j'y arrive pas aujourd'hui là, je prends une pause ce soir, demain, je stream pas. Et je reviens samedi, je sais pas quelle heure, juste je dormirai full, je me réveillerai pas avec du réveil. Et je retenterai. Après c'est pas fini, hein. La session d'aujourd'hui n'est pas finie mais... Si j'y arrive pas aujourd'hui quoi.
con, je savais que j'allais mourir. Je suis vraiment trop bête. J'ai pas voulu restart. Là, ça, c'est. Je comprends pas pourquoi je restart pas. La hitbox, vraiment la hitbox de ces machins, franchement. Les développeurs, je jouerai jamais Isaac. Je jouerai jamais Isaac, c'est le même développeur qui ne savent pas faire une hitbox, je ne jouerai jamais Isaac. Ça c'est clair. C'est pour jouer à un jeu où il y a des hitbox aussi claqués du cul. Je ne jouerai jamais ce jeu. C'est quoi le dernier trophée là? C'est le. Dernier trophée, c'est le dernier Nodes que je dois faire, c'est le chapitre 7, coton à l'ail en gros. Dark. Et j'en peux plus. Je suis fatigué. Message épinglé, y'a pas le message épinglé. Ah si, y'a un message épinglé. Prochain sauvegarde. Non, 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 non. Je ne toucherai plus jamais à un jeu fait par ces développeurs. Rien que pour la hitbox. La hitbox des petits globules rouges là, elle me dégoûte. C'est terrible. Tronen Liberty, non. Merci Tennis Gamer 2006. C'est marrant, t'as mis tes deux passions et ton année de naissance dans ton pseudo. Merci mon gars. Merci beaucoup les mecs, merci, merci, merci. Non, non, oh, je suis pas fan des MMO. Je suis vraiment pas fan des MMO. Les Mupworg. De roi. Tennis Gamer 2006 qui prend son sub et il parle pas. Parce que c'est pas les meilleurs viewers. C'est horrible ce que je dis, c'est-à-dire que ceux qui parlent pas, ce sont les meilleurs. En gros, vous me faites chier. Oh putain, je suis pas mort. Oh putain, je suis pas mort. Oula, j'ai même plus à sauter, tiens. Mais putain. Eh putain! Mais putain! Ah bon? Ok, d'accord. Bon, de toute façon, ce niveau 13, je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, mais je vais toujours commencer par lui, parce que ce niveau 13, là, aujourd'hui, spécialement aujourd'hui, pas les autres jours, hein. L'autre jour, ça allait, aucun souci, aucun souci. Mais aujourd'hui, il a un problème, hein, donc j'ai un problème dessus, donc voilà, le nouveau Nemesis, je sais pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi, donc bah... Voilà, c'est le nouveau niveau 19, je galère plus sur le niveau 19, je galère sur le niveau 13. Ouais, niveau 13, s'il te plaît. Niveau à la con, là. Ultra simple.
D'accord, ouais, il ne veut même pas sauter mon personnage. Donc bon. Ça, c'est tellement frustrant. Tu maîtrises des niveaux. Pendant 2-3 jours, tu meurs une fois sur 10 dessus. Et puis comme ça, d'un jour, jour au lendemain, tu n'y arrives plus. Tu n'y arrives plus. Voilà. Voilà, je vais être bloqué une demi-heure sur ce niveau. Alors que j'y arrive facilement. Par contre, bloquer inverse, ça se fait pas. Hein. Des niveaux que tu sais pas faire et que d'un coup, tu sais pas pourquoi, le jeu est trop simple. Ça t'y arrive jamais. Hein. C'est pas jamais. Ce niveau, j'ai les mêmes timings, c'est les mêmes sauts. Tout est pareil. Tout est pareil. Bon, ce saut-là, il a toujours été dur, mais c'est le seul saut dur, quoi. C'est le seul saut dur, c'est celui de la fin. Et un peu celui du début aussi. Mais je trouve ça ouf, en vrai. Vraiment, ce niveau, il me rend ouf. C'est mon Nemesis d'aujourd'hui. Ah, putain. Merci à toutes les personnes qui montent sur Holy Holsker, les mecs. Merci fort. Merci fort. Ok. Ce niveau-là aussi, je sais pas pourquoi, j'ai du mal. Aujourd'hui, alors que... C'est plutôt simple. Mais vraiment, c'est bon. Ça a avancé sur Oli? Ouais, Oli, les ventes se passent très bien, là. Les ventes se passent excessivement bien, quoi. C'est abusé. Non, franchement, j'ai pas à me plaindre de ce côté. Vous êtes vraiment les goats. Je vais dire, je vais voir s'il y a eu des commandes depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment incroyable, hein. Les ventes Oli, c'est... Les ventes au lit, c'est bizarre. On est à 3587. C'est insane. 3587. Oula. On est bientôt aux 4000, quoi. Deux fois l'objectif, hein. Je cherche à te détendre. J'ai mis des musiques Nintendo. J'ai mis des musiques Nintendo, mais je sais pas si ça me détend. Il y en a certaines qui me détendent, d'autres qui m'agacent. Genre celle-là, elle est trop de bonne humeur pour moi, là. C'est comme les viewers. Hey, D7, n'oublie pas que tu as fait ci, que t'as fait ça dans ta vie. D'accord, je suis jamais mort comme ça. Je ne suis jamais mort comme ça, les mecs. GG. Je n'ai jamais eu ce timing-là. Je vous jure, ce jeu, il est abusé. Ça me gratte l'œil. Ça me gratte tellement l'œil. Pitié, regroupez-vous. Regroupez-vous. Pourquoi ils veulent pas se regrouper? Mais pourquoi ils veulent pas se regrouper aujourd'hui, là? Allez! Putain! Bon allez. Allez, le niveau 19, si j'ai réussi là, c'est vraiment... je le confirme, quoi. Ça fait plaisir. Bon, faut encore le réussir. Hein. Ça fait plaisir, je crois que ça fait 3 fois d'affilée que je le réussis. Hein. Franchement, c'est cool. Hein. Et ben maintenant, aujourd'hui, c'est le niveau 20, je peux pas le faire. J'y arrive pas. Je vais les refaire dans l'ordre maintenant que le niveau 19, j'y arrive bien. Non, je vais les refaire dans l'ordre. Je vais les refaire
Je vais faire 1, 8, 9, 19, 20. Je sais pas, le niveau 20, le niveau 19, j'y arrive bien donc. Merci Flame Power, merci beaucoup. Allez, est-ce que je peux y arriver 4 fois d'affilée? Non, je pense 4 fois c'est mort. Je pense les probabilités. Au bout d'un moment, il y a aussi des probabilités quand même. Je pense 4 fois c'est mort. Mais quand même, on en aura fait 3 d'affilée, c'est pas mal. Mais OMG. Mais OMG, mais qu'est-ce qui se passe sur ce niveau là? Qu'est-ce qui se passe sur le niveau 19 là aujourd'hui? Psychologie inversée. Ouais. Pour le coup, j'y croyais vraiment pas, mais... Ok. Merde. C'est juste trop fort, mais là, ouais, j'y arrive bien. Hein. Ok, si on fait le niveau 19, on est débarrassé de tous les difficiles. Enfin, le niveau 1, pardon. Après le niveau 1 c'est aussi quelque chose de très dur donc bon. Ok. Ok. Ça fait longtemps que j'étais pas débarrassé de tous les difficiles les mecs. Le 5, on le fera plus tard. Le 7 aussi. Oh, vous avez vu? Vous avez... Heureusement que j'ai un bon réflexe, hein. Putain de jeu de merde. C'est vraiment un jeu de merde, allez tranquille. Oh non, mais ouais, mais ce niveau trop buggé, putain. Niveau buggé de merde. Hein. Vraiment. Horrible. Hein. Tranquille. Allez!
C'est sans mourir, ouais, genre Dix. En fait, quand tu t'es touché, tu meurs instant, donc oui, c'est sans se faire toucher, en gros. Avec le niveau 19, il commence... Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui, le niveau 19, mais il se passe bien. Patience et longueur de temps font plus que force ni courage. D'accord. Qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il nous raconte, celui-là? Ah, tu sais quoi, carrément, j'ai même pas pu sauter, quoi. En plus, ça veut rien dire ce qu'il vient de dire. Ça veut rien dire. Patience et longueur. Longueur de temps. Patience et longueur de temps. Longueur de temps, ça marche. Pas compris. Hein. Bande d'incultes. Bah, excuse-nous. Excuse-nous, c'est une énigme. Tu sais, c'est pas parce que c'est une situation que ça veut dire quelque chose, hein, longueur de temps. C'est Jean de La Fontaine. Bah, il disait vraiment n'importe quoi, alors. Non, mais les mecs, ça peut être Jean de La Fontaine. Parce que moi, je m'appelle Desset, je peux vous dire n'importe quoi, vous êtes là. Oh, putain, ça fait réfléchir. Patience et longueur de temps. Mais sauve au pot ou quoi, là? Et voilà, j'ai encore eu un freeze sur le changement de musique. Bon, c'est un plaisir, en tout cas, là. D'accord, d'accord. Eh, j'en ai marre de mourir de façon dont je n'ai jamais vu, hein. Ah, ça me rend ouf, hein. Aujourd'hui, c'est ce niveau-là. C'est ce niveau-là. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Je meurs de façon... Mais putain, je vais trop rapide. Trop lent. Ta vidéo Super Nintendo est prévue pour quand? Déjà, faut que je finisse le jeu. Et après, on verra pour quand elle est prévue. Je pense que c'est déjà la première étape, tu penses pas? Persévérance, même chose que longueur de temps. Ok. Ça marche. Bon allez, 5 fois d'affilée, OMG. Bon, comment. 5 fois d'affilée, qui y croit? Qui y croit aux 5 fois d'affilée, ce niveau? Quand même du mal à y croire, mais vas-y. Bon, premier degré, déjà 4 fois, c'était vraiment pas mal. 4 fois, c'était vraiment pas mal. C'est ce qui me semblait. Après, c'est pas le moment où il faut le réussir. C'est pas maintenant qu'il faut le réussir, donc ça me va. Après, c'est déjà un ratio de 4-5, c'est déjà énorme, ouais.
Ouah, j'ai failli le faire trop tôt. Je sais pas comment je suis pas mort là. Je pensais que j'étais mort, c'est pour ça que j'ai arrêté de bouger. À cause de cette hitbox de con. Ah bon? Quelle hitbox de... Franchement, vous prenez les replays, les mecs, et vous regardez à quel point je suis tellement loin de son visu. Enfin, je suis tellement loin de sa supposée hitbox. Je le touche tellement pas. C'est tellement chiant, ça. Putain, allez. Salut Tossard. Ok. Allez, allez, le 1 nouveau. Il y a de l'espoir. Ouais, franchement, il y a de l'espoir. C'est pas mal. Putain. Je crois que j'ai jamais fait aussi rapide dans ce niveau, je crois. En combien de temps je l'ai fait là? ...11 secondes 31. Ok. Non, arrête ça! J'ai tenté. Oh putain, j'ai tenté.
C'est le Gunblaze, y'a pas de soucis mon gars. Pas de soucis, pas de soucis. Vous voulez que je change de playlist? Je change de playlist le mec. Oui. Ok, prochainement je change. Non. Nice. Allez, est-ce que je peux y arriver? Ah, fais chier, putain. Pardon. Attendez. Je vais mettre un daily mix. Allez, hop, c'est quoi? Non, mais pas... Playlist proposée par Spotify. Ah bah ça doit vous changer. Ça doit vous changer les mecs. Je pense que ça vous fait plaisir là de changer de musique, de style et tout là. Fait penser à Astrobot. Ah ouais? Tu me donnes envie de reprendre les platines. Ah ouais? Bah putain, je sais pas comment ça te donne envie sur du Super Meat Boy mon gars, mais force à toi. Hein. Ouais, vraiment, White, c'est dur ce niveau 20. Alors là, cette mort, elle est folle, là. Vas-y, je vais faire le niveau 19 et le 20 à la fin encore, comme tout à l'heure. Comme j'avais dit. Niveau 19 et 20 à la fin. On change un petit peu, ça me fait faire les autres niveaux, ça me fait ne pas les oublier. Ah, tu commences à carry les niveaux difficiles, ouais. Ouais, ça commence à être pas mal là. Ya. Yeah. Ça y est, au bout de 15 heures, il y a enfin un peu de progression. J'aimerais bien ne pas mourir à celui-là. Nice.
Ah non, non, j'en prends plus, Giro du plaisir. Non, non, j'en prends plus. Non, j'en prends plus là. Grosse FF. Ah merde, putain, je suis con. Non, ça fait bien longtemps que je prends plus de plaisir quand même, j'avoue. Le jeu reste bon, hein. Je sais qu'il est bien, j'aime bien le jeu, mais là je prends plus de plaisir. Bon, allez, ce niveau. Pitié. Non, arrête! Putain de personnage qui glisse. Faire les mêmes, en boucle les mêmes niveaux, ouais. Putain, mais il y a tellement de gyros sur ce live. Il y a 3 gyros différents. C'est une ref à quoi, gyro? Bah, pourtant, c'est pas comme si j'avais 20 000 viewers, tu vois. C'est bizarre la musique là par contre. Ah bah ouais. Comment je suis mort là? Bon vas-y frère. Mon némésis du jour, celui-là, on sait pas comment, on sait pas pourquoi. Ah ouais, il me touche lui! Putain, j'étais vraiment en dessous de lui, hein, franchement. Abusé. Une musique de Weepin, c'est quoi Weepin? C'est un jeu ça? Il y a d'autres trophées galères sur ce jeu? Oh bah tous! Y'a pas un trophée simple sur ce jeu. Enfin si, on a 2-3 je crois. Sachant, ne serait-ce que finir le jeu, je l'ai toujours dit, ne serait-ce que finir le jeu et débloquer The Kid, ça limite un 10 sur 10. Tous les trophées sont infernaux. Ouais. Tous les trophées sont infernales du coup. Non? Thème d'orthographe, c'est pas tous les trophées sont infernales du coup? Ta grosse merde. C'est un trophée donc inferno, non? Hein? Hein? Bah non. Hein? Plus rares, ils sont en train de... Ouais, mais on parle d'un trophée, tu vois. On parle du trophée au singulier. Le sujet, c'est le trophée. Tous les trophées sont infernales. Ah non, c'était quoi sa phrase de tout à l'heure? Tous les trophées sont infernales. Infernaux. Ouais, non, t'as raison. Non, t'as raison, c'est infernaux. Ouais, non, je suis con. Non, non, t'as raison. C'est moi, je suis con. Merde.
Ouais, non, mais je suis con, je pense, je suis pas. Merde. J'essaie de speedrun le niveau. Merde. Faut que j'arrête. Ça marche pas de faire les 20 premiers niveaux? De quoi? What? Non mais c'est faire 20 niveaux dans chaque chapitre. Les 20 niveaux dans chaque chapitre. Chaque chapitre comporte 20 niveaux. Et ces 20 niveaux de chaque chapitre, je dois les faire sans mourir. Sachant que chaque chapitre a sa version dark et sa version light. Pourquoi j'essaie de le speedrun, j'aimerais bien le speedrun celui-là, je sais pas pourquoi. C'est une bonne idée, non, je pense pas, mais. Bon, enfin, il faut que je me reconcentre, c'est une perte de temps là. Putain! Allez! Enchaîner tous les niveaux de chaque chapitre, ouais, sans mourir. C'est ça, ouais. Ah non, mais c'est impossible, tout ça. Impossible. Impossible. Impossible de faire tout le jeu sans mourir. Je pense très sincèrement que... Enfin, genre, il faudrait 5-6 000 heures, tu vois. Et encore, non, même pas. Mais... Je vois pas vraiment d'où c'est possible, ouais. Si tu mets les warp zones en plus dedans, c'est impossible. Enfin, genre, je pense très sincèrement qu'humainement, c'est pas possible. Personne l'a fait. Non, je crois pas. Je crois que même quand je regarde les... J'ai regardé le speedrun world record. Et il meurt aussi à des moments. Après, c'est faisable par un tas, ça c'est sûr, mais... Never gonna say goodbye. Allez, j'en ai marre de ce niveau. Mon nouveau Nemesis, c'est le 20. Hein. Franchement. Force of love. 9 septembre, j'ai commencé le platine. Ouais. Vraiment, rien à dire, ouais. Mais. D'accord. If you are never gonna let you down, never gonna turn around, you cry.
Say goodbye. Oula. Si, mais j'ai changé de playlist. Ça me saoulait la playlist. Allez. Quoi? Ah d'accord, ok. Pénible. Pénible as fuck. Non, c'est pour Psycho parti trop. Non, c'est bon, il est déban. Il est déban Psycho. On l'a unban. Je vais le faire lui en premier. Lui dans son j'étais à 4. Ah ouais? Je reconnais pas du tout là. Ah oui, bah oui. Oui, d'accord, ok. Par contre, c'est vrai que la musique, qu'est-ce qu'elle est banger. Hein. J'ai jamais joué au jeu donc je sais pas dire s'il est bien le jeu, mais. Vraiment, la musique elle est pas. Simba qui va avoir le platine de Fortnite aujourd'hui les mecs. OMG. Merde. Qu'est-ce qu'elle est incroyable cette musique. Merci pour le sub Loki, merci mon gars. Merci Loki mon gars, tu régales. Un bad game pour moi à l'époque. Et tu l'as refait depuis ou pas? Merde, je suis con moi. Merde. Merci Loki mon gars.
voilà, le jeu est bugué. Et voilà, jeu de merde. Putain. C'est malheureux. Ce serait malheureux, mais je pense qu'il y a plus de chances de réussir hors live. Deux. Le platine? Ah oui, non, mais ça n'a aucun sens. Jamais je le ferai hors live. Ça perd tout son sens, quoi. Jamais je le ferai hors live. Bon, cette année, je mettrai tout le trophée en ligne sur notre compte. Ok. Et alors, il a bien vieilli ou... Ou ça sent le grenier, quoi, quand même, hein. Ah bon? Bah, mon perso, des fois, il faut pas sauter. En fait, j'ai découvert une strat pour ce niveau. Déjà, s'il faut vraiment, peu importe ton saut. Voilà. Faut vraiment réussir à choper le timing et en vrai, il y a moyen. Attendez. Faut vraiment que je me concentre, en fait. C'est pas le saut qui est... C'est pas le saut vers la scie qui est dur. C'est de sauter au bon moment où ton perso touche le mur. Voilà. Et normalement, il n'y a aucune chance de choke. Normalement. C'est surtout ça, le truc dur à voir. Ok. Donc là, c'est les façons de mourir. Mais normalement... Si je meurs pas par la scie du haut, il faut juste que j'arrive à sauter au moment où je touche le mur. Et il n'y a aucune chance de mourir. Là, comme là, tu vois, j'ai de choc. Là, j'ai de choc. Merde, ça, j'aimerais bien faire un... J'aimerais bien le speedrun. Ta mère. On va bien voir combien je peux faire de temps. Putain, j'ai eu un freeze. Ah ta mère. Non. Quoi t'as touché pour sauter? Bah crois. Tu veux que ce soit quoi? Eh ouais, tu vois, putain. Là, je suis mort parce que j'y croyais pas, en fait. Oh non, putain, je... Non! Non! Dans un speedrun, qu'est-ce que j'aurais aimé que ce soit des niveaux... des trophées speedrun plutôt que des trophées... plutôt que des trophées Nodes. Oh. Même pour même la même difficulté, hein, mais... Non, putain. Non, ça, je peux aller là-bas. Réel, ouais, vraiment, c'est tellement plus plaisant, je trouve. Salut, Basque Calamar. Attendez, je me fais un petit kiff, j'essaie juste de speedrun ce niveau. J'aimerais bien le faire en moins de 10 secondes. Je pense que ce serait un gros achievement de le faire en moins de 10 secondes. Non, putain, ouais, 10 secondes, c'est chaud, hein. Non, putain. Non, non. Non. Putain. Putain. Mais Crash, je trouve qu'il se trouve... Il est moins...
Oh, combien? Pas vu. Ah, 10,73. Ça fait combien ça? Classement. Oh, top 1 au monde. Nice. Attends, 4,94. Comment j'ai fait ça moi? Comment je fais 4,94? 0,47. Ah ouais, ça glitch pas ici, ça fait plaisir. Ami. Ouais, mon score. Où suis-je? Qu'est-ce qui est bugué ce jeu? 4,84. Mais j'ai pas fait 4,84, c'est pas possible. Comment j'ai fait 4,84? Ce jeu est vraiment bugué, hein. Ce jeu est archi bugué, hein. Attendez, c'est qui ce gars là? Top 26, mais non, mais j'ai pas fait 4 secondes, les mecs. Comment j'ai fait 4 secondes? Wow! Ouais, 1943. Ouais, d'accord, ok. 19... Alors, lui, c'est un cheater, lui. 1940 platines. Et ses jeux les plus joués, c'est des codes. D'accord, lui. Ah, ouais. Show. Bah, ils sont où ces platines? Il y en a pas un depuis tout à l'heure, là. Il fait du show Wolver Rave lui, je sais pas quoi là. Ouais, regarde-moi ça. Regarde-moi ce trophée de con là. Black Ops 2 quand même, hein. Ah, mais dès que c'est. Oh, Fortnite! Motostorm, Lego. Mais lui, il a cheaté lui, ce salaud. Oh là 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 là. Oh là là, regardez-moi ces noms chinois là. Oh, PS Vita, PS Vita, PS Vita, PS Vita, PS Vita. C'est sûr, ce bâtard, il a obtenu. Le platine de Super Meat Boy. Il a obtenu le platine de Super Meat Boy en trichant, ce chien. Bon allez vas-y. Mais du coup j'étais pas obligé de restart, je l'avais déjà réussi du coup ce niveau. Voilà. Ça qui est important dans ce niveau. Avec la PS Vita info sûr. Bah oui c'est sûr. Bah saute. Un pote de Rito. Bah Rito à la limite il fait des jeux nuls. Lui il cheat sur les patines compliquées quoi. C'est encore pire. Et c'est un joueur de Call of. C'est-à-dire que le mec, il veut le prestige des jeux durs. Et après, derrière, il va jouer à Call of en mode « Ah, ça y est, je peux enfin jouer au vrai jeu. » La gueule des gars, quand même. Hein. Tu peux voir au nombre d'heures de jeu si c'est legit. Ouais, mec, franchement. Moi, ouais. Ouais, encore une fois, les mecs, quand vous allez voir... Super Meat Boy Platinum, déjà il y a personne qui l'a fait en France, je crois. Personne n'en a fait de vidéo. Alors, des gens qui l'ont obtenu, mais personne n'en a fait de vidéo. Et beaucoup de personnes qui l'ont fait en France, je pense que c'est beaucoup de cheat avec la PS Vita. Mais bref. Et genre, il y a des gars, enfin je sais pas, après peut-être c'est des gars ultra talentueux et j'ai déjà eu et je suis un gros rageux, mais tu vas dans Speedrun, enfin tu vas dans Platinum Super Meat Boy. T'as peut-être Platinum Super Meat Boy dans YouTube. T'as plein d'anglophones qui l'ont fait, ce platine. Mais va prendre Gaspo, s'il te plaît. Oula, non. C'est cringe déjà, je suis déjà gêné. Il y a plein de gens, il y a plein d'anglais qui l'ont fait, mais mec, ils ont 60 heures. 7000 morts. Oh, I'm pretty good at platforming. Oui, oui. Et c'est bizarre parce qu'on voit jamais leur run en entier, par contre. On voit jamais leur run en entier, tu vois, c'est genre trop bizarre, ils lancent leur egg à la fin, quoi. Ils sont à peine heureux. Alors peut-être c'est des gars ultra talentueux et félicitations, hein. Mais mec, j'ai du mal à croire Platine Super Meat Boy en 50 heures, hein. Désolé, mais... J'ai du mal à le croire, hein. Peut-être je suis un rageux, mais bon. Ah, ce putain de fils de pute de jeu de merde. C'est maître troll, ça va et toi? Vraiment beaucoup de Français qui font des platines sur YouTube, ouais. Ouais, ouais. Mais moi, ce dont je suis content, c'est que c'est pas un truc où je me suis forcé à faire, tu vois.
C'est un truc que je fais depuis, depuis que j'ai 10 ans, donc je suis vraiment fier. Je crois pas que ce soit de l'autopop, Reldir. Je crois que c'est un truc avec la sauvegarde dans le cloud, c'est pas vraiment de l'autopop. Oui, ça va mieux, j'ai enfin débauché. Let's go, Metro Troll. Travaille dans quoi? Pas technique black pour avoir autant de platine. Acheter des jeux à la con qui sont platinables en 5 secondes, tu vois, en quelques minutes. Max. Je travaille dans une usine pour le packaging. Ah ouais. Packaging. Putain, il y a des poids de vin ici, les gars? Est-ce qu'il y a des gens qui habitent à Poitiers ici? Faites pas les bâtards, hein, ceux qui habitent pas à Poitiers. Je pense que de 154 personnes, il y a au moins une personne qui est à Poitiers, non? Une seule? Allez, les mecs. Je trouve ça tellement pas intéressant. Bah, je suis d'accord, Arnaud, mais écoute. Après, chacun trouve son bonheur là où il veut. Hein, non, merde, dans les jeux qu'il achète. C'est vrai que, putain... En fait, tu perds tellement cette satisfaction de... d'obtention de platine, je trouve. Du coup. Ok, personne à Poitiers. Eh ben, écoutez. Oh, putain, pardon. Le Havraise. Le Havre. Oh, putain, tu... Est-ce que tu connais le... Est-ce que tu connais un ancien docker qui est... qui est le grand-père ou le père à Studio Daniel? Je suis Havraise. Mon père, il était docker. Je suis Havraise. C'est la faute à Manimis Manio et les joueurs qui l'ont acheté, je m'inclus dedans. De quoi? Que les Shovel Rave existent? Je pense que ça a commencé avec eux? Ils font tout en famille là-bas. C'est-à-dire Idarpex, dis-nous en plus. Comme quoi... Y'a des mecs qui habitent à Paris ici, les mecs? Moi, Paris. Pas là là. Ouais, ouais, ouais. Alors, vous êtes heureux d'y vivre ou pas, en vrai? Ouais, ouais, c'est bah, 78, ouais. Pas du tout, je suis de Lille. Bah t'es con alors, pourquoi tu réponds oui alors? Merde. Ok. Ok, Reldir, je savais pas que ça avait vraiment commencé par eux. Je savais que c'était les plus populaires par contre, mais que ça avait commencé avec eux, je savais pas. C'est vrai que je trouve ça dommage après, bon écoute. Parisien depuis presque 2 ans, j'en peux plus. Ah ouais? C'est vraiment infernal d'y vivre. Je suis pas mort là, juste avant? Bon, vas-y, ce niveau, ça y est, m'en ouf. Belle vie, mais pas pour y vivre, ouais. Moi j'étais parti une semaine en vacances avec ma copine à Paris. C'est franchement plaisant de se promener dans la nuit. C'est bien parce que t'as toujours un truc à faire, toujours un truc d'ouvert. Tu sais, si tu sais pas quoi faire, ce qui... moi le plus gros point positif
plus gros point positif de Paris, c'est que si tu t'emmerdes, tu sors dehors et t'as des trucs à regarder, t'sais, t'as toujours un truc à découvrir ou quoi. Tu te prends une petite ta petite trottinette électrique et t'y vas quoi. Après c'est peut-être un truc de... C'est peut-être un truc de... Merde. De... Putain mais comment on les appelle les mecs hors de provinceaux là peut-être un truc de provinceaux de visiter Paris à n'importe quelle heure, tu sais, genre de toujours être émerveillé, mais j'aimais bien. C'est pour ça que je déménageais en full campagne pour arrêter tous ces services, ouais. Après, tu peux juste visiter, pas forcément payer des trucs. Pardon. C'est pas la ville le problème, c'est juste un combat par rapport au confort du logement avec la province. Moi de Paris c'est un bon open world, bah ouais de ouf. T'as toujours des trucs à visiter, tu sais, tu te fais pas chier. Moi avec ma copine quand on se faisait chier à l'hôtel, bah on se disait bon tiens on prend une trotte et on va dans n'importe quelle direction et tu sais au bout d'un moment on allait toujours on arrivait toujours à une place connue ou un truc du genre tu vois. Bon à un moment on a fini à un endroit pas très recommandé je crois mais c'est autre chose. Ouais mais de toute façon la Suisse évidemment qu'il y a toujours des trucs à faire. La Suisse c'est magnifique aussi. Putain, cette musique, les mecs. Ça, c'est un remix, je crois, mais l'original de cette, musique, ça me rappelle tellement de souvenirs. Alors, je sais pas de quel jeu c'est. Hein. Mais quand j'ai commencé le streaming... Quand j'ai commencé le streaming, vraiment commencé en 2020 sur Rocket League, moi, j'avais pas une très bonne connexion. Déjà pour la petite anecdote, sachez que j'ai commencé le streaming, j'ai toujours voulu être streamer, sauf que bah j'ai toujours habité en campagne, donc en campagne t'as la DSL quoi, tu stream pas avec ça. Et une fois j'ai fait une formation militaire, j'ai gagné de l'argent, parce que voilà t'es payé quand tu gagnes de l'argent, enfin quand t'es payé quand tu gagnes de l'argent, t'es payé quand tu fais une formation militaire. C'était 300€ par mois je crois, truc du genre un peu plus. Et en fait j'ai un gros problème au genou moi. J'ai un gros problème au genou qui a fait que bah, j'ai arrêté. J'ai arrêté mais grâce à cet argent. Grâce à cet argent j'ai investi dans un truc qui m'a sauvé la vie. C'est une antenne 4G. Une antenne 4G et une box spéciale 4G ou quoi. Et c'est cher, hein. C'est 300-400 balles tu vois, le tout. J'ai investi là-dedans et ce que je faisais du coup c'est que c'était l'hiver et en fait une antenne 4G tu dois la diriger vers l'antenne 4G la plus proche de chez toi. Du coup je jouais l'hiver la fenêtre ouverte et je commençais mes streams à 8h du mat. Je m'en souviens de quelques jours où il neigeait dans ma pièce et je jouais. Voilà, j'étais tout le temps malade, mais je streamais donc c'était l'essentiel, j'étais trop content de streamer, j'ai toujours voulu être streamer et enfin j'avais l'occasion de streamer. Du coup j'étais toujours malade, j'avais une sale mine et tout. J'étais malade comme un chien mais je streamais donc j'étais très heureux, j'étais le plus heureux des hommes. Et qu'est-ce que je voulais dire? Bah j'en souviens plus. J'en souviens plus ce que je voulais dire, ça marche. Et c'est comme ça que j'ai commencé le streaming, ouais c'est comme ça. Ah oui, ok c'est bon. Et du coup en fait à cause de mon antenne 4G, bah quand tu joues à Rocket League, déjà je jouais à Rocket League en... Il y avait un truc spécial, c'était... je jouais à Rocket League avec une connexion différente que celle où je streamais. Et pourtant, j'étais sur le même PC. Grave galère à comprendre, mais bon voilà. Et ça fait que du coup, les 5-6 premiers mois de stream... J'avais la même playlist. Pourquoi j'avais la même playlist? Parce que en fait, bah, quand je mettais une playlist, ça téléchargeait la playlist et du coup, ça me faisait bugger. Du coup, j'étais obligé de pré-télécharger la playlist. Et du coup, pendant 5 mois, j'avais 20 musiques. 20 musiques. Vous savez ce que c'est 20 musiques? C'est 1h30 en boucle. Et donc, celle-ci, on faisait partie. Et du coup, j'ai trop de souvenirs avec cette musique. Voilà. C'est
C'est pour ça. Salut Patato. Ouais, c'était pas fou comme explication, mais au moins ça vous a fait de savoir comment j'ai commencé le streaming. C'était fin 2019, je crois, un truc du genre, fin 2019, un peu avant le Covid, un peu avant l'annonce du Covid. Ah, pas avant qu'on soit confiné, hein. Pas avant le Covid, enfin pas avant qu'on soit confiné, c'est vraiment un peu avant l'annonce comme quoi il y avait le Covid en Chine par exemple. Et du coup j'ai commencé et en fait j'ai eu de la chance parce que j'ai tout donné. À partir du moment où j'ai su que je pouvais stream, j'ai commencé à stream, je faisais 100-200 viewers. Et bah du coup ça fait un peu de subs, tu vois, j'avais 200-300 subs. Et là tout cet argent j'ai grave investi, mais alors direct investi, hein. C'est-à-dire que je venais de commencer le stream, je venais tout juste de commencer le stream, j'avais autant, voire mieux, plus de qualité de stream que ceux qui streamaient depuis des mois et des années, quoi. Des mois et des années. J'avais beaucoup plus de qualité qu'eux. Genre micro direct, un Shure avec une Go XLR, un fond vert, une caméra à 2000 balles et tout. Direct, dès le début. Et ce que je faisais, c'est que je me levais, je m'en souviens, je me levais à 8h. 8h midi, non, 8h midi, c'était stream Rocket League. Ensuite, je mangeais. Ensuite, 13h, 16h, c'était des coachings. Voilà, parce que je coachais des gars, ça me faisait de l'argent. Ensuite, je tournais ma vidéo en VS1. Je tournais mes vidéos en VS1 pour la série. Je faisais la miniature, le montage moi-même jusqu'à 21h. 22h, je mangeais et 23h au lit. Et 23h au lit, et comme ça, je me réveille à 8h. Et ça pendant 5-6 mois. Et ça pendant 5-6 mois. Vraiment 5-6 mois. Vraiment sans déconner. Du coup, ça fait que j'ai eu tellement d'argent. Enfin, je me faisais 3-4 000 euros. Je suis passé de vraiment pauvre à 3-4 000 euros. Vraiment, pas de quoi s'acheter un jeu, quoi. À 3-4 000 euros, du coup, j'ai déménagé à Poitiers. Dans un 26 mètres carrés. Et après, j'ai arrêté les coachings parce qu'en vrai, c'était intenable. C'était intenable, mon rythme. Mais c'est qu'au début, quand tu commences, t'es tout heureux, tu sais, t'as pas envie de perdre une seule seconde. Donc c'était bien au début, mais après j'ai arrêté le coaching parce que ça me plaisait de moins en moins, et puis voilà quoi. Pourquoi cette passion de devenir serveur? Tu es quelqu'un qui te donnait envie? Non. J'ai toujours... En fait, je kiffe les jeux vidéo. J'adore vraiment à un point infernal. Enfin genre, j'adore ça. Genre, moi je me vois pas être un streamer... IRL ou un streamer ou un youtubeur IRL avec des contenus fitatone, enfin ça peut être marrant, tu sais, d'en faire quelques-uns, mais genre c'est pas ce qui me passionne, moi c'est le jeu vidéo. Et j'aime bien échanger avec des gens de manière générale, c'est pendant que je joue, j'adore parler avec des gens. Bah, du coup moi ce que je faisais, c'est pour ça que j'ai été très bon dans le streaming direct. Ce que je faisais, bah quand j'étais petit, pour faire genre que j'étais youtubeur et streamer, savoir que je jouais au jeu, parce que j'ai toujours été passionné de jeu. Et je commentais. De toute façon, ça j'en avais déjà parlé. Je commentais derrière comme si j'étais en stream ou YouTube. Voilà. Du coup, ma mère, plus d'une fois, elle m'a dit, mais pourquoi tu parles tout seul? Ah, mais je suis un nerd, moi. Hein. Je suis un geek, les mecs. Hein. Je suis vraiment le geek originel. Hein. Et du coup, voilà. Ça fait que, dès le début, en fait... Dès le début, dès que j'ai commencé le stream, j'étais plutôt bon à divertir et à parler parce que bah, j'ai toujours fait ça. Je sais que genre, première fois où j'ai parlé seul, c'est sur Black Ops 1, je faisais le let's play de Black Ops 1. Enfin, du coup, j'appelais ça un let's play. T'as quoi comme console? J'ai une Nintendo 64, c'est ma toute première. J'ai Donkey Kong dessus. Et Mario Kart. Je crois que c'était un Mario Kart, je sais plus. Ensuite, j'ai eu la GameCube. Ensuite, j'ai eu la PS2. Ensuite, j'ai eu la PS3. Mais vraiment des années après. Non, la PS3, par contre, je m'en souviens, je l'ai eu à Noël. Un peu 2-3 mois après sa sortie. Je crois que j'ai pleuré des larmes avec Uncharted 2. J'ai eu le jeu avec Uncharted 2. J'ai pleuré, mec. Je crois que j'ai pleuré ce jour-là. Ensuite, j'ai eu la PS3. Et la PS3... Alors, vraiment... Hein. Heureusement que je suis issu d'une famille pas très riche. Deux trucs. Franchement, être d'une famille pas très riche, j'ai eu trop de chance pour ça. C'est que je voulais absolument,
à un moment donné, échanger ma PS3 contre une Wii. Une Wii. Voilà, je sais pas pourquoi une Wii. J'en sais rien. Du coup, j'ai jamais eu l'argent. Parce que quand on allait à Easy Cash, je m'en souviens, c'était... Bon, on me la reprenait... Oui, on vous la donne 50 balles. D'accord, ok. Et même ma mère n'avait pas assez d'argent pour m'acheter la Wii. Bon, vraiment, jamais, elle a jamais eu assez d'argent pour m'acheter la Wii. Du coup, bah, j'étais resté avec la PS3, j'étais pas content. Du coup, je suis resté sur PS3. Ensuite, des années plus tard, il y a la PS4 qui est sortie. On me l'a acheté un an après, je crois. Un an après sa sortie. Et à l'époque de la PS4, grosse erreur, deuxième erreur hein, qui a failli se passer. Après le passage de moi qui voulais la Wii, c'était moi qui voulais absolument la Xbox 360. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des compétitions sur Call of. C'était plus les compètes étaient plus sur Call of. Et pourquoi ça a été le meilleur choix de ma vie ? Enfin, pourquoi, heureusement que je suis issu d'une famille pauvre, parce que du coup, il s'est passé la même chose. Pas d'argent pour m'acheter la Xbox. Si je la revendais, c'était 70 balles. Le Bon Coin et tout, c'était pas très démocratisé à l'époque. Hein. Les trocs, comme ça, les sites de trocs, c'était pas très démocratisé. Et du coup, j'ai jamais pu. Et au final, meilleure décision de ma vie, parce que, en fait, le PS Plus... Moi, je sais que je jouais à tous les jeux PS Plus, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Du coup, mes jeux à moi, c'était Gammoniac. Je sais pas si ceux qui connaissent Gammoniac. Merde. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Et le PS Plus. Et en fait, le PS Plus, un jour, il y a eu Rocket League qui est sorti. Et bah, ça a changé ma vie, quoi. Rocket League, ça a changé ma vie. Donc voilà. Heureusement que je suis issu d'une famille pauvre. Enfin, pauvre, c'est pas pauvre. On mangeait. On mangeait à notre faim, ça y a pas de souci. Mais par contre, pas plus, quoi. C'est quoi ton pic de viewers? 22 000. Sans host. R de Genèse, j'ai vendu ma GameCube à l'époque pour la Xbox que j'ai pété le jour même. Ah ouais? T'as pété le jour même? Donc t'as pas connu... Non, j'ai pas connu SRPBC, non. Malheureusement. Non, non. Tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un grand frère, ouais. Et une grande sœur. Fallait être là pour vivre, c'était incroyable. Ah ouais, vraiment. Hein. C'était vraiment Rocket League quand il est sorti, c'était... Je sais pas comment dire, c'était quelque chose d'autre, quoi. Quelque chose que j'ai jamais connu sur un jeu. Meilleur souvenir, la PSP à Noël, ouais, c'était fou. C'est vraiment, les mecs, je vous jure, les souvenirs de quand t'es jeune et que t'es pas issu d'une famille ultra riche et que t'as pas tout ce que tu veux et que tu obtiens enfin un truc dont tu rêves depuis tant de temps. Et qu'on te fait la vraie surprise à Noël, c'est une vraie surprise, genre. On te fait une vraie... Bon, tu crois plus au Père Noël pour autant, tu vois, mais tu sais pas ce que tes parents t'achètent. Tu sais pas du tout, tu découvres. Tu sais, t'as, je sais pas, j'avais 10, 11 ans, 11, 12 ans, je sais pas. T'as pas tout ce que tu veux, t'as pas grand chose même. T'as de quoi t'amuser, tu sais, mais bon. Les si peu de jeux que t'as, tu passes un bon moment, quoi. Hein. C'est que tu joues beaucoup, quoi. Là, tu te réveilles. Tu sais pas ce que t'as. Tu sais pas, parce qu'en fait, ça dépend. Tu sais pas ce que. Tu sais pas quel est le budget de ta mère, tu vois. Tu sais pas ce qu'elle va t'acheter. Tu lui dis, oui, moi j'aimerais bien avoir une console, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir ci. Mais bon, au final, tu sais très bien que. Bah, tu fais des choix un peu moins onéreux parce que tu sais très bien que c'est ce qui a le plus de chances d'arriver, quoi. Et du coup, tu t'attends toujours à avoir des Playmobil, j'en sais rien, des jouets, tu sais, un peu onéreux, quoi, un truc à 100 balles. Et là, t'as une PS4, une PS3, c'est... Alors là, c'est un truc de fou. Moi, je suis de 2000, moi. Ah, ça, cette sensation-là, c'est un truc de fou. Et du coup, ça fait que... ça fait que du coup, moi j'ai eu un gros problème. J'ai eu un gros problème au début. Quand j'ai commencé. Vous savez, je vous ai raconté que je gagnais 3000 euros par mois au début. Après cette période de 3000 euros par mois, je gagnais, allez, 3, 4, 5 000 euros de mon entreprise. Donc au final, en net, ça faisait moins. Mais mon entreprise gagnait cette somme. Et en fait, un jour, le jeu est passé free to play. Du coup, avec, allez, on va dire 2000-2500, j'avais de quoi vivre, mais c'était pas non plus la richesse ultime, quoi. Tu vis bien, quoi. Tu vis bien. Sachant que moi, j'investissais beaucoup. Sauf que
le jour où il y a le free-to-play qui est passé, mec, je gagnais d'un coup. Il y a, je sais pas, en janvier, je gagnais 3000 euros par mois net, moins, un peu moins. En mars, je gagnais 70 000 euros. Bon, en brut. Mon entreprise gagnait 70 000 euros par mois. C'était n'importe quoi. Bah du coup, j'ai fait n'importe quoi avec mon argent. Parce que, bah, t'as toujours vécu dans la pauvreté. Du coup, j'ai acheté des paires de chaussures ultra onéreuses, des vêtements ultra onéreux et tout. Quelle entreprise? Ouais, bah la mienne. YouTube, c'était Rocket League, ouais. Je gagnais 60, entre 50 et 70 000 euros par mois. Et du coup, j'ai fait n'importe quoi avec mon argent. Par contre, j'ai jamais dépensé dans des trucs chelous, hein, dans la drogue ou quoi. Jamais. C'était juste bah, Uber Eats tous les jours. Après, c'est mon entreprise qui a gagné 70 000, c'est pas moi. Sinon, j'avais pas 70 000, mais honnêtement, j'avais facile 5, 6, 7 000. Je me versais facilement 5, 6 000 sur mon compte par mois. Voire même un peu plus des fois. Oh, et comment j'en ai profité, les mecs. Mais j'ai mal fait, en vrai, j'ai mal fait. Et du coup, après cette période où j'ai grave dépensé, j'ai fait n'importe quoi, j'ai découvert les impôts, l'URSSAF et tout, j'ai perdu 90 000 en 3 mois. Donc je suis passé du début d'année 2023 à 100 000 euros sur le compte, à zéro, enfin moins 5 000 3 mois après, tu vois. Moins 5 000 3 mois après. Voilà, oh, mec. Oh, je sais, pour moi c'était fini. Et après je me suis rebougé le cul, j'ai regagné pas mal d'argent, et là depuis j'économise. Enfin, ça m'a pris. Tu sais, je fais plus n'importe quoi avec mon argent, je mets 1 000, 1 500 euros de côté personnellement, je fais gaffe à tout ce que j'achète. Je suis pas reparti en vacances depuis, j'ai acheté un ou deux trucs un peu chers, tu vois, un peu, une paire de chaussures pas mal et tout. C'est là que ça sert un bon comptable. Bah ouais, c'est ça, mon comptable. Mon comptable ne me disait rien du tout, tu vois, Rosen. Et voilà, moi du coup, je mets beaucoup de côté et j'investis beaucoup dans les projets. Sinon, je dépense peu. Vraiment, de toute façon, je peux pas dépenser, je sors pas de chez moi. Là où je dépense plus d'argent, c'est Uber Eats. Sinon, je dépense rien. J'achète pas de vêtements. J'achète plus de chaussures. J'achète plus rien. Plus rien. Et ça me va. Depuis, je suis devenu propriétaire. J'ai encore un peu d'argent de côté sur mon livret A. Oh putain. Je ne te connaissais qu'avec les platines. Ta chaîne platine, je viens de les voir. Ta chaîne d'essai, je viens de découvrir que t'avais déjà vu. Ah ouais? Ouais, bah ouais, c'est possible. Ouais, sur Rocket League, ouais, surtout en TikTok et tout. Mais là où je commençais à moins aimer Rocket League, et surtout le côté entreprise, avoir des employés, etc., c'est que en fait, tu fais moins en moins de choses que tu aimes, et de plus en plus de choses par l'argent, parce que tu dois gagner de l'argent. Et du coup, en vrai, j'en ai eu marre, j'ai réduit Rocket League, j'ai dit à mes employés, bon, bah écoutez, en vrai, c'est trop d'argent, je pense que je vais arrêter l'entreprise. Beaucoup trop d'argent, mais par contre, si vous voulez continuer à faire du montage ou des miniatures pour moi, il n'y a pas de souci, au contraire. Et voilà, j'en suis là aujourd'hui, je fais des platines, je gagne bien ma vie, mais beaucoup d'argent que je gagne, je le réinvestis dans les vidéos et tout. Mais j'arrive quand même à mettre de côté. Bon, personnellement, je touche plus d'argent, parce que je suis dans la transition entre mon entreprise et ma micro, du coup je touche plus d'argent là. Je vis avec mon livret A. Et surtout que je dépense beaucoup d'argent pour le reste. Donc je vis avec mon livret A, mais ça va, comme je suis pas dépensier. Je suis en couple, donc le loyer je le divise par deux, j'ai genre 400 euros de loyer. Un peu de charge d'électricité et la nourriture quoi, j'ai pas beaucoup d'argent dépensé. Quoi? Mariage, enfant, non. Pas le temps. Pas le temps et pas l'envie. Il ne va même plus chez le coiffeur alors que ça fait 2 jours qu'il le dit. Et si, j'y suis allé. J'y suis allé il y a 2 jours. J'y suis allé. Mais là où je dépense mal mon argent, par contre, c'est Uber Eats. Ça, je sais que...
Mais j'ai arrêté, j'ai désinstallé Uber Eats. C'est vraiment la pire drogue au monde, cette merde. Ouais, il se passait tellement de trucs ces dernières années, ouais, c'est abusé. Hein. C'est abusé. Et puis même, moi, vivre des moments comme ça où tu es trop dépendant d'un jeu, ça me plaît plus. Ça me plaît plus. Genre, gagner 70 000 euros et 3 mois après, gagner 10, 15 000, même si c'est des belles sommes. Hein. En fait, ça fait que la France, elle est pas bien adaptée. Le système d'impôts et d'URSSAF n'est pas bien adapté pour ce genre de truc. J'en ai marre, en fait. J'en ai marre. Merde. J'en ai marre du coup là dans le multigaming. Bon, peut-être que je gagne pas 70 000 euros par mois, tu vois. De toute façon, c'est plus possible avec Rocket League actuellement. Mais peut-être que je gagne moins qu'en faisant du Rocket League. Peut-être pas deux fois moins, mais allez, quasiment presque deux fois moins. Mais quand je me lève, j'ai pas cette sensation d'aller travailler, j'ai pas cette sensation de faire un truc que j'aime pas. Bon, à part Super Meat Boy en ce moment, mais. Et surtout, je suis fier du contenu que je produis. Ça, c'est. C'est différent. Du moment que t'as 2K, t'es large. Pas forcément parce que. Pas forcément parce que moi, mes montages coûtent cher. Donc il me faut plus, quoi. Tu gagnes moins, mais tu gagnes en stabilité. Exactement. Exactement. Et puis être propriétaire, ça a quand même enlevé un poids. Hein. Mais au moins, tu fais ce que tu aimes. Ouais, c'est ça, exactement. Et surtout, tu sais, je suis beaucoup plus content de la commu que j'ai. Et encore une fois, je le répète, hein, mais il y a plein de gens. Il y a plein de gens qui se disent, et même qui viennent des fois sur live. Bon, c'est assez rare, mais qui se disent, oh là là, mais comment. Enfin. T'as perdu des viewers et tout. T'as perdu des viewers, tu dois mal le vivre et tout. Mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Oh, vraiment pas du tout. C'est sûr que là, si tu me demandes, t'as la même commu, mais vous êtes 2000, ou t'as la même commu et t'es 200. Forcément, tu choisis les 2000, mais par contre, en gardant la même mentalité de commu, la même commu, quoi. Je veux plus de faire 3-4 000 viewers, mais que avec des gosses. Ça m'intéresse plus. Parce que c'est simple, hein, avoir 3-4 000 viewers sur Rocket League avec que des gosses, c'est simple. Hein. Tu fais des TikTok. TikTok, c'est simple. Tu joues beaucoup au jeu, comme ça, t'as une impression de. Enfin, les jeunes ont envie de venir sur ton stream. Puis bon, commencer une nouvelle chaîne et taper 100K et 3... Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, c'est grâce aussi à l'argent que j'ai... Si j'ai une bonne qualité dès le début, c'est grâce à Rocket League, hein. je vais pas vous mentir. Hein. Si j'ai une aussi bonne qualité, c'est parce que bah, j'ai mis beaucoup de côté et que j'ai pu investir à perte au début dans la chaîne platine. Mais par chance, la chaîne platine a très vite été rentable. Au bout de 4-5 vidéos, c'était quasiment rentable. Voire si c'est pas rentable, c'était pas à perdre du moins. Les enfants m'ont traumatisé. Non, c'est pas ça, c'est juste que tu te lèves, t'apprends rien quoi. Tu te lèves, t'apprends rien, tu parles à des guignols. Voilà, enfin, bon. Tu parles à des guignols et au bout d'un moment, tu sais, faut avoir des projets de vie. Moi, j'ai pas envie de parler à des guignols toute ma vie, des gosses. J'adore Rocket League, mais bon, tu sais, y jouer toute la journée, tous les jours, bon, c'est plus ce que je veux, quoi. Samedi, c'est le début des vacances scolaires. Ah ouais? Là, je suis en projet de racheter l'entreprise de mon patron, ça me stresse. Ah ouais? Ouais, bah ouais. Mais en vrai, tu vas voir, c'est pas mal. C'est beaucoup de stress d'être patron, mais c'est quand même bien en vrai. Après, moi, je dirais quand même que c'est quand même bien aussi d'être employé. Enfin, d'être employé. Il y a les avantages et les inconvénients. Pour moi, le plus gros inconvénient d'être patron, c'est que ton travail ne s'arrête jamais. Jamais. Alors que quand t'es employé, généralement, bah, tu finis ton taf à 18h et t'y penses plus. Que la boîte marche, qu'elle fasse ce chiffre d'affaires, t'en as rien à foutre. Alors que quand c'est une entreprise, t'as jamais vraiment fini de travailler, quoi. Et en vrai, c'est pesant sur le long terme. Tu sais, quand tu prends des vacances, bah c'est pas vraiment des vacances. Parce que là, t'es là, oula, putain, mais merde, on va pas pouvoir...
On va générer moins et tout, ça va être chaud de payer et tout. Ça va pas être possible et tout. Ce niveau il me gonfle, putain, ce niveau il me gonfle. Il marche jamais et... Il marche jamais de la même manière. Salut Damso. Sauf que je serais tout seul, c'est une petite boutique. Ah ouais, putain, franchement, être patron et... Scoot serait en entreprise ou en AE? C'est précisément pour ça qu'être patron, à mon sens, c'est pas possible. Ouais, c'est... Comme je dis, ça a ses avantages et ses inconvénients. Faut pas croire qu'il y a que des inconvénients. Les deux gros inconvénients, c'est que tu te rends compte à quel point l'État te baisse ta race et à quel point il baisse la race des employés aussi. Ça, c'est... Tu te rends pas compte, c'est incroyable. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a, ce niveau-là? Et en vrai, c'est chiant aussi pour le truc de... Tu pars en vacances, mais t'es pas en vacances, tu vois. Merci Hugo, c'est moi. Merci beaucoup, mon gars, pour ton sub. Ça devient confortable d'être patron quand t'es... Deviens méga riche. Ouais, c'est vrai. Là, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'il a, ce niveau-là? Putain. 15 ans que je bosse dans ma boîte, je veux aussi bien côté salarié que patronal. Et bah, gros respect à ceux qui se lancent pour être patron, on peut dire. Ouais, bah ouais, c'est vraiment... Après, comme je dis, il y a ses avantages, hein. Mais ouais... Et l'État veut toujours nous prendre plus. Mais ouais, mais même tu te rends compte, quand t'es patron, tu te rends compte à quel point les employés se font douiller, hein. Sachez que si vous avez un salaire à 1008-1009, si vous décidiez et que si la France décidait de donner le choix des cotisations aux gens et pas leur imposer, sachez que vous gagnerez... 2008, 3000, hein, pas loin. Hein. C'est abusé les charges patronales. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. Le rêve, mais c'est abusé. Bah, apparemment, c'est pour cotiser. Oui, mais t'inquiète pas, la cotisation, on n'est même pas sûr de l'avoir. Alors que, bon, bah, laisse-moi cotiser pour moi-même, t'inquiète pas, frérot. Freelance, ça m'a toujours chauffé, mais le côté France me freine tellement, ouais. Faut prendre l'acre. Si vous voulez vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat, prenez l'acre. Et déjà, vous vivrez de belles premières années, on va dire. C'est pas de la déco, les charges. Comment ça, c'est pas de la déco? Non, mais on sait très bien que c'est pas pour rien. C'est un an. Ah oui, c'est un an maintenant. Je crois que c'était 2 ou 3 ans avant. Comment ça, c'est pas de la déco, Kodomo? C'est très bien que ça sert à rien, mais tu peux aussi laisser le choix aux gens, tu vois. Putain! Déjà, rien que le système de... Rien que le système de... De cotisation, ça, je comprendrai jamais. Franchement, je comprendrai jamais. Pourquoi tu laisses pas les gens gérer leur argent comme ils veulent? Et s'ils ont pas suffisamment bien géré leur argent et qui ont 0 sous pour leur retraite, bah tant pis pour eux, tu vois. Et bah, ils finissent à la rue, quoi. Et vous allez pleurer en mode « Oh, mais c'est pas bien, la rue !» Bah écoutez, il y a déjà des gens à la rue comme ça, tu vois. Laissez les gens cotiser, ils gagneront beaucoup plus et pour au final une retraite dont on n'est même pas sûr d'avoir. Je trouve que c'est bien de payer des impôts, des charges et tout, mais je trouve qu'en France, on est quand même dans l'abus. On est vraiment dans l'abus. En sachant que tout augmente. Hein. Les taxes foncières, les taxes, les ci, les là, les... Tout est flou, tout est fait pour t'enculer, genre, tu vois. Toi, t'es sûr de l'avoir, ta retraite, tu as chopé la PS 30e anniversaire. Ah bah oui! Ah bah oui, moi j'ai bien investi, hein. Faut payer les gens qui veulent pas travailler et enrichir le plus riche, ouais. Ouais, alors c'est comme ça. Après, pour moi, faut pas se plaindre des gens qui profitent du système, mais se plaindre du système. C'est le système qui veut qui les pousse à être comme ça. Hein. J'ai réussi à tout avoir sauf la PS5 Pro. Ah ouais, moi j'ai réussi à l'avoir la 30e anniversaire, je suis tellement content.
Non. Sachant que tu es taxé parce que t'as des vaches. Ah ouais? Quand t'as des vaches, t'es taxé aussi? Oh mais c'est abusé mec. C'est vrai? Ou c'est une façon de dire? Exactement Jamison. Exactement. T'as quel âge Jamison? Moi je pense qu'avoir investi dans l'immobilier à 23 ans, je pense que ça a été la meilleure décision de ma vie. Hein. Et bah du coup ouais, mon livret A est passé de 22 000 à 0 euros peut-être, mais écoutez, au moins je suis propriétaire. Et j'assure ma retraite. Enfin même pas ma retraite, je serai même pas en retraite quand j'aurai fini de payer l'argent. Enfin payer la maison. J'aurai 40 balais. Ça va, hein. 40 ans, si t'as bien pris soin de ton corps, tu peux encore faire beaucoup de choses. Hein. Même quand tu prends pas soin de ton corps, tu peux encore... Encore de belles années devant toi. Hein. 37, ouais bah ouais, c'est l'âge parfait pour investir. Hein. T'as ta maison à... Un peu moins de la soixantaine. Est-ce qu'il faut payer... Il faudra payer 100 euros par an par animal maintenant. Les domestiques qu'on... Inclus? Genre les animaux domestiques inclus? Ça me paraît, fou ça, je pense pas. Hein. Je crois que j'ai commencé un peu tard ce niveau là. Vous savez que je suis pas si malin. Attendez. Ah. Je crois que ça passe pas, mais on sait jamais. Ouais. Domestique inclus, non mais les animaux domestiques. Ils ont commencé en Allemagne, c'est abusé. Oh, ça passe je crois, nice. C'est abusé mec. Hein. Allez. Attendez. Attendez, attendez, on est pas mal, on est pas mal. On est loin d'avoir réussi, mais on est pas mal. Allez. Pitié que j'ai réussi celui-là. Oh, oh. Allez. Ok.
J'ai cru que j'avais de choc. C'est relou. Non! Et voilà, ce niveau de merde! Ce niveau de merde ultra buggé, putain! Mais comment il vient là, lui? Mais comment il vient là? Comment il vient là? Putain! Mais comment il vient là? J'avais plus rien de difficile. J'avais plus rien de difficile après celui-là. Comment il vient là, celui-là? Comment il vient là? Putain, niveau buggé à la con, là. J'avais plus rien de difficile, les mecs. Pourquoi? Mais comment? Bon, j'ai... On parlera après. Mais putain, mais qu'est-ce qui m'arrive sur ce niveau? Putain, les mecs! Faut pas que j'aille trop vite. Nouveau PB en vrai, donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir, mais putain, franchement. En vrai, si j'étais mort, c'est vraiment une mort où c'est ma faute, où je stresse. Franchement, j'aurais moins le seum parce que là, ce fils de pute de truc qui vient ici, c'est vraiment abusé. Ça donne de l'espoir en tout cas, ça donne de l'espoir. Oh, j'avoue que putain, j'ai stressé alors que c'était loin d'être la fin. Je sais pas combien j'ai été de BPM, les mecs, mais je crois que j'ai stressé de ouf. Je crois que c'est l'une des fois où j'ai le plus stressé alors que j'étais pas tout de suite la fin, quoi. 130, ah ouais. Alors, tout recommencer, ça veut dire? Ouais. Exact. PB, les mecs, hein, putain. Putain, c'était stressant en vrai. Putain, la vache. C'est bien, ça donne de l'espoir en vrai. Ça m'aide de parler, genre.
Ça aide à faire passer le temps déjà au moins. Que le BFM marche bien, oui ça s'assurait. Putain, je suis mort. Franchement, je suis deck de la mort. Hein. Je suis vraiment deck de la mort. Putain, le réflexe que j'ai eu par contre, les mecs, sur le laser là, j'ai vraiment des réflexes de bâtard. Hein. Alors, c'est pas pour me sucer, mais j'ai des réflexes de fou. Surtout sur du stress comme ça là. Je pense que vraiment, en fait, le stress te fait tellement améliorer tes capacités. Ouais, non, mais le chapitre précédent, c'était un niveau au-dessus, limite, Poyos, encore. Hein. Ouais, j'ai fait un PB, je suis trop content. Eh oh. Ça le fait pas là. Ah si. Non. Mais pourquoi il tire pas avant? Pourquoi il tire pas avant? Fils de pute de missile de merde. Pourquoi il tire pas avant? C'est fou ça de pas tirer avant. Je comprends pas. Oh putain, c'est pas grave. Allez, je sens qu'il y a moyen les mecs. Je suis dans une bonne dynamique donc je vais continuer. Ouais, je peux mettre pause et faire retour au lobby, ouais. Donc ça, ton Everest, exactement.
Oula. Non, arrête, sale pute. Ouais, je suis dans une bonne dynamique, les mecs. Je suis dans une bonne dynamique. Putain, je suis mort ici, quoi. Salaud de niveau de merde, con. Cette run, je m'en fous. Je le baise le 8. Je le baise. Le baise, je le baise le niveau 8. Merde, j'ai oublié. Non mais janvier. D'accord. Mais là, dis-moi, si je prends pas trop de risques avec janvier, nique ta mère. Putain, ce niveau là. Ce niveau, j'ai perdu le timing. Je sais pas pourquoi, ce niveau, j'avais aucun problème, mais là, j'ai perdu le timing. Il faut que je sois plus lent. Faut que j'attends qu'il tire en fait. Janvier, putain, si je fais pas le platine avant janvier, putain, ça me saoule. Même fin octobre, je suis dégoûté, hein. Arrête. Allez, on se reconcentre, c'est pas grave. Je vais juste faire le niveau de 17 là, après celui-là. Parce qu'il me gonfle. Allez, réunissez-vous, bande de chiens. Allez. 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 Putain, ils sont close, je crois. C'est pas grave. Ah, avant janvier, Giro. Ah oui, donc tu le fais pas. Si tu le ah, tu le fais pas. Ok, d'accord. Non, non, mais jamais. Non, mais jamais, jamais. Il n'y a pas un monde où j'arrive pas à... À part si m'arrive malheur et que je peux pas jouer aux jeux vidéo pendant jusqu'à janvier, mais... Pas un monde où j'obtiens pas avant janvier, les mecs. Stop, je tiens mes cheveux. Bah oui, vous en faites pas. Mais avant janvier, les gars, vous déconnez là. Allez. Allez, niveau 19. Allez. Allez, je le baise le niveau 19. Je le baise. C'est ma grosse pute le niveau 19. C'est ma chienne. Ok? C'est ma pute. Ah, ça me chie, moi, je suis sa pute, à lui. Putain. En vrai, c'est pas déconnant de faire... 17, 19, 17. Parce que 19, c'est... 17, je suis effrayé du niveau, maintenant. Oh, putain, cette vidéo. Cette musique, vous vous en souvenez quand je vous parlais de la playlist, là, début du stream et tout? Elle en fait partie. Non! Putain, comment je suis mort tout à l'heure en vrai? Vraiment, j'ai pas de chat, hein.
Ah! Le niveau 1, 8, 9, j'ai l'impression que c'est maîtrisé un peu. Hein. Allez. Merde, mais je suis con moi, pourquoi je fais ça? Je suis pas en speedrun là, par contre je l'ai vraiment trop serré la montre. Allez. M19, t'as bien réglé. Ouais. Plus qu'avant, c'est sûr. Non. Putain. Tu as un niveau préféré? Le 7, c'est le moins dur. Ah, c'est ça mon niveau préféré. Le 7, c'est celui dont je suis sûr de jamais te choquer. Enfin, en vrai, c'est possible, mais si je prends mon temps, bah vas-y, je me fais un garrot, donc je vais desserrer. Je sais pas si ça influe sur la qualité du BPM, mais bon, me faire un garrot là. Oh putain, enfin. Non, c'est vrai que j'ai pas relancé mon jeu. C'est pas grave. Putain, j'étais à 15, les mecs, j'avais. Ah la grosse pute. Putain, mais c'est Hollow Knight qui passe depuis tout à l'heure là. Mais putain, oh putain. J'ai refait la strat speedrun pour aucune raison, genre. À 15 quoi? Bah niveau sans mourir. On parle pas en baguette de pain. Hein. Mais Néoflic, j'ai l'impression que t'es toujours là. J'ai l'impression que t'es là sur quasiment tous les lives. Je crois, j'ai l'impression que t'as toujours pas compris ce que je fais. Tu sais pourquoi je relance le niveau en boucle au moins? Non, je suis pas contraint par le temps. Enfin, le. Oui, en soi, oui, pour que la vidéo sorte, mais. Pas par les niveaux. Bah, j'étais censé arrêter la Tom Sky. Mais je suis dans une bonne dynamique, dynamique que j'ai l'impression d'un peu perdre là, donc. Je sais pas ce que je vais faire comme jeu après Spirit Boy. Mais ce sera un jeu détente, hein. Il y a Romain Jacques, Jacques Romain, qui m'a proposé de faire le DLC d'Elden Ring. Pff, mais vas-y, c'est encore un truc du difficile et tout. Je veux chill, j'avoue, je veux chill. On va se faire un petit jeu à histoire, tranquille. Je sais pas si on peut faire une commande PSN ou point d'exclamation profil avec mon lien PSN profile. Mario Galaxy, ouais, ouais, par exemple. Ah, y a un sub-goal à Mario Galaxy, c'est vrai, putain, j'ai oublié d'en parler. Bon, c'est pas grave, au pire, si on fait pas le sub-goal. C'est pas le sub-goal auquel je tiens le plus, voilà, bon. J'aime pas ce niveau, j'aime pas le faire ici. Ah, ok, d'accord, Netflix. Je crois que c'est parfait là. Ah bah ouais, c'était parfait.
Parfait en vrai, les mecs, parfait. Il a pas mis profil. C'est profil avec un E. Ou compte, j'en sais rien. Oh, j'ai eu un freeze. Tournoi hier, c'était excellent. Le tournoi hier, on va en faire une compile. On va faire une compile du tournoi d'hier. C'était... Il y avait beaucoup de moments intenses. À un moment, j'hésitais à mettre mon compteur de BPM en vrai. Ah. Allez, je fais le niveau petite bite. Non, jamais participé à la Trackmania Cup de Zerator. C'était infernal. Je voyais pas le bout. Je voyais pas le bout du niveau. Je voyais pas le bout. Oh non! Grosse pute que je suis. En plus, ce niveau il est simple. Mais il m'a trop déconcentré le niveau d'avant là, vas-y. C'est parfait là, hop, direct. Hop, troubadour. Oh là là, je suis trop un goat. Je suis trop un joate. Un joate, non. Alors joate du coup c'est un gitan, mais non. Je sais pas ça. Hein. Un goat. Pas du tout, si, les deux prévus pour Platinum the Night. Je sais pas la vidéo GTA 5 les mecs, je sais pas. Arrêtez avec cette vidéo GTA 5, arrêtez. Je vous en conjure. C'est ma plus grande phobie frère. Vraiment GTA 5, je vais même pas la sortir.
Après, c'est vrai que putain, il y avait du monde sur GTA 5. Hein. Genre, on était sur la chaîne secondaire. On était sur la chaîne secondaire et on faisait 300, 400 viewers des fois. Pour une chaîne qui venait d'être créée, quoi. Hein. D'accord. Ah oui, bon, un plaisir. T'es un extraterrestre pour avoir fait un PB 15. Ouais, j'ai réussi un bon. Ça, c'est le goût, ça passe là. J'ai réussi un bon PB, je suis content. C'est Simba la flûte là ou quoi là? C'est qui le flûtiste là? Je sais pas si ça s'appelle comme ça, mais faut le retrouver. Tarpa! Par contre, le niveau 8, franchement, il passe comme un suppôt. Hein. Aïe. C'est toi la flûte dans la musique ou quoi là? C'est désastreux. Non mais non, j'ai glissé. Putain, ça, ça m'énerve quand mon personnage fait ça, il glisse là, comme ça. Bah, Mashallah. Non, c'est pas moi, c'est le voisin. Ah, c'est le Naibor. Hello, Naibor. J'ai eu chaud, hein. J'ai pas très bien joué là. Cri d'arpent. Ah oui, émuide, putain. Ouais, c'était l'idée de Petit Pomme en plus. C'était l'instrument de Petit Pomme, l'instrument favori de Petit Pomme. Il sera encore, tu pouvais changer de perso. Je pense que oui, parce que les niveaux difficiles, je vois pas en quoi les persos pourraient aider. Donc je pense que yes. Oui. Oh, les gouttes, ils ont trop bien. Quel objectif de ce dernier trophée? C'est écrit dans l'épingle, si tu veux. D'arpent. Merci d'arpent. Je suis pressé par le temps. Ouh. Non ! Ah ! Ah ! Ah ! Pas grave. Thank you.
Mais grosse pute de niveau de merde. Ce niveau là, franchement qu'il allait se faire foutre. Hein. Mais... Je comprends pas ce niveau les mecs. Tantôt il est agréable, tantôt il est pas pénible. Je comprends pas ce niveau. Mais je fais la même chose en boucle. Je fais la même chose en boucle sur ce niveau. Regardez, là... Ouais, vas-y, frère. Et là, ça se passe bien. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais vraiment, Roxas, hein, c'est insupportable, ce niveau-là. D'accord. Comment je suis pas mort là? Si je meurs pas, je me coupe une couille. Oh, je me suis dit aussi, frérot, là. Là, c'est pas possible, le jeu m'entend là. Bon les mecs, je fais un dernier tour et si j'y arrive pas, bah du coup ça m'a remotivé, je vais peut-être faire un stream ce soir du coup. Ça m'a remotivé. Oh la vache. Fusil Ariane. Ah bah c'est super ça. On va finir par une musique qui se donne envie de se mettre tout nu à poil là dehors. Ah oui la vache. Qu'est-ce qui t'a motivé? J'ai fait un PB à 15. Ou je suis mort sur un niveau de con. Niveau de merde, franchement. Ouais, vraiment, il va le dire. Vraiment, j'espère, ouais. Vraiment, vraiment. Et ce niveau là, je sais pas ce qu'il faut, va falloir que je le refasse. Va falloir que je le réapprenne, je pense. Hein. Bon après, Tom Sky, merci beaucoup. Merci mon gars. Merci d'être passé. C'est quand tu platines Spirit Boy, Sweezy? Sweezy. C'est quoi? Je réponds à ta question quand tu vas répondre à la mienne. C'est quand que tu deviens papa? Et c'est quand que tu vas mourir? C'est quand que tu vas mourir, Sweezy? Allez, dernière chance. Dernière chance. Quand Dieu le voudra, Inch'Allah. C'est l'heure, Cagnax. Dès que je réussis le 19 et 20, c'est la dernière chance que je me donne, les mecs, pour aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'on va faire? C'est écrit dans le message épinglé si tu veux. On laisse ce chapitre en Odesse à faire. Ah merde alors. Mais. Con mon personnage ou quoi? Mais. J'arrive même plus à sauter. Je pense que c'est le moment d'arrêter de revenir ce soir, hein. Vous en pensez quoi? Alors ça veut dire quoi quand je touche ça? Ça veut dire que je suis pas assez rapide. Il faut que je... mes timings soient plus rapides là. Faut pas que je reste sans rien faire à mourir en boucle sur ce niveau là. Oh bah, d'accord. Je crois que ce soir demain tu vas pas... Bah ouais parce que en vrai j'avais aucun espoir là. Mais là j'ai eu de l'espoir. J'en pense, nous pose pas un lapin c'est tout. C'est à dire. Non, ce soir ça le fait. Ah c'est ça, fallait que ce soit plus rapide. Ah, eh ben on recommence au niveau 19. Putain, premier saut hein. Premier saut les mecs. Sur Live Meat Boy, ouais. Oh là là. Par contre je sais pas quelle heure hein. Je sais pas quelle heure, je sais pas combien de temps. Faut que je me pose, faut que j'écrive un peu mid-box, je commence, j'ai des calls à faire et tout. Quelle heure tu penses? Aucune idée. Ouais, c'est le moment de faire une pause, mais j'aimerais juste au moins faire un niveau de 19 et 20. Et après, on fait un 1 à 18. J'ai plus le timing. Pas rassurant ça, alors j'y ai rêvé une fois sur une tout à l'heure. Ma mort est trop le cul quand même. Hein. Parce que ma mort c'est pas de ma faute. Hein. Franchement j'ai juste pas eu de chat. Hein. Mais putain mais... Non non c'est bas, je ramène pas de monde en Voc. Ça me déconcentre. Quoi battement par minute? C'est vraiment écrit dans le nom hein. Eh bien, c'est des battements par minute du cœur. Ah non, c'est quoi qui compte? Non mais pitié, exprime-toi correctement, je peux pas comprendre. C'est C'est quoi? Je réponds même pas. J'attends que tu l'écrives correctement et je te répondrai. Un effort, pitié quoi. Putain, on dirait mon entraîneur de foot, sauf que lui, il a 40 balais. J'arrive même plus à ce niveau. Bon, je suis content parce qu'aujourd'hui j'ai pas eu chaud. Je n'ai pas eu chaud aujourd'hui. Ça, ça fait plaisir. Je n'arrive plus à ce niveau, les mecs. Je ne sais plus le faire. Qu'est-ce qui se passe? C'est le moment de couper. Non, mais c'est une folie. Je ne sais plus faire ce niveau.
Mais... C'est quoi qui compte tes battements minutes, c'est mieux, voilà. C'est là, mon Apple Watch, c'est ma montre. Tu dis quoi à ta meuf le soir après avoir passé plus de 100 heures sur le même jeu? Tu veux un Uber Eats? T'as faim? Voilà. Non mais... Son Holscan, bien sûr! Bien sûr, mon Holscan Watch. Watch. D'ailleurs, j'ai pas vu les ventes Oli, s'il y en avait eu d'autres. Allez, je focus. Nice. Putain, allez. Il s'arrête tellement net ce perso, ça rend ouf. Allez, mais putain, je déteste quand il s'arrête net comme ça. Allez. Vas-y, Docteur Noz, des bisous. Prochainement, j'arrête. Ce sera pas sur ce niveau. Nice. J'aime pas ce niveau. Ça retire ta mort quand tu fais ça? Oui, quand je vous dis que Neoflix, je vous promets, il est sur mes lives. J'ai l'impression qu'il est pas sur mes lives. Non! Oh, mais jeu de fils de pute, de connard de merde. Putain. Bon, bah voilà. Run gâché. Y'a vraiment pas moyen de... Ça sert à rien, moi. Meilleur ce soir, mais ouais, mais j'avais une run là quand même. C'est pas la play, c'est le jeu qui est mal codé. Hein. Allez, je déplace. Je déplace le jeu. Non, c'est peut-être pas... Je restaure la licence. Non. Les informations. Contrôle parental, 12 ans en plus. Oulala, Google Eyes. Google Eyes. Le 9-9-2024. Il y a une mise à jour du jeu le 9-9-2024. Non mais c'est le jour où je l'ai installé. La 1.02, putain ils ont pas fait beaucoup d'updates hein. Allez. Allez allez. Ah t'as crash, oui j'ai crash. Allez. Allez, j'étais sur une bonne run.
Oh. Bah écoutez. Oh bah c'est triste mais c'est comme ça hein. Oh putain. Ça te sauvegarde pas quand tu relances le jeu? Non. Bon.